Mon roi, je te salue. Tu n'es pas de bonne humeur. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça concerne le problème de terrain? Je pense qu'on doit en parler. Femme, je ne suis pas d'humeur de pouvoir discuter maintenant. Tu peux partir. Ah, mais votre majesté... Je dis pars. Les esprits de mes quatre pères. Dites-moi à quoi ressemble mon règne. Honnêtement... Je suis impressionné par la gloire qu'il y a derrière. Oh, non. Oui, tu devrais l'être. Tout le monde, en réalité, devrait l'être. Je sais que ta naissance me rappelle mon père. Tu es vraiment une copie de mon père. Bien, que puis-je dire? Je suis honoré de l'entendre, père. Et tu sais les plus étranges? C'est que quand tu grandissais, tu étais exactement le contraire de lui. Oh oui, quand il était en vie, et tu aimais les choses qu'il détestait. Hein? Il aimait les animaux, spécialement le chat. Mais toi, tu connais la suite. Papa, merci pour cette histoire. Mais ce qui est plus important, je veux savoir sur les traditions et coutumes de mon peuple. Tu sais que je viens de revenir. Et je ne sais pas, mais je crois que c'est important que j'apprenne tout de chez toi. Bien sûr, tu dois l'apprendre. Cela ne doit pas être un problème. À tout moment que tu auras besoin d'une clarification sur un sujet qui te dérange, viens. Viens vers moi. Je te dirai et tu comprendras. Je savais que je pouvais toujours compter sur vous, papa. Je t'en prie. Oh bien, papa. Maintenant, je vais aller me reposer. Je te vois lors du dîner. Ok, au revoir. Très bien, papa. Mon roi, mon père, à plus. mon téléphone. Très bien, papa, voyons-nous à l'heure du dîner. Salut, Ezemofoua Kaloubo. Va m'appeler Ezeboubé. Le roi est là et il aimerait vous voir. S'il vous plaît, vous pouvez entrer. Non, je vais causer avec lui ici et maintenant. Bonjour, la voix autorisée des dieux. Je me demandais pourquoi vous n'êtes pas entré dans la parcelle. J'ai pour vous le message venant des dieux. Je savais très bien que vous ne pouviez pas venir ici en vain.
Tout message venant de Dieu est le bienvenu. S'il te plaît, viens, on entre. Ce n'est pas nécessaire. Alors, quel est ce message? Il est temps pour que le prochain roi soit prononcé. Disparaît. Oui, Sa Majesté. L'héritier du trône doit être présenté au dieu pour qu'il soit accepté. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et d'ailleurs, ça tombe au bon moment. J'étais d'ailleurs en train de me demander pourquoi est-ce que les dieux ne sont pas en train de parler tout ce temps. Ils parlent quand ils le veulent. Dans sept jours précis, les rituels doivent être faits. Très bien. Je vais mettre toutes les machines en marche pour m'assurer de son couronnement spectaculaire. C'est bien. Fais ce que tu dis. Aisément. Dieu de notre terre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Santé, santé. Juste au moment où j'étais sur le point de perdre ma tête. Alors que les dieux vont m'apprendre qu'ils sont vraiment les dieux de notre terre. Je suis vraiment heureux. Tu sais, Igwe, vraiment, je crois que tu dois fixer une date pour que nous partagions un très grand dîner. Pour célébrer cette bonne nouvelle. En effet, ta joie est aussi la joie de tout le monde ici dans ce palais. Oh, certainement. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ratais quelque chose? Oh, ma très mignonne fille, Daisy. Mets-toi, prends place. Merci. S'il te plaît, papa. Ok, j'ai le droit de savoir ce qui se passe, n'est-ce pas? Oh, bien. J'ai été finalement apaisé. Je veux dire que Ezemo était ici. Il m'a dit que les dieux sont venus lui dire qu'ils ont choisi mon successeur. Ce qui signifie que ton frère sera le prochain roi. Oui. Félicitations. Je suis tellement fière de toi. Je suis vraiment heureux que tu sois venu au temps convenable. Ah oui? J'étais déjà en train de déranger les dieux. Je suis très très content. Et je ne peux même pas attendre que je puisse être présenté comme le prochain roi. Tu sais quoi, Ezeboubé, je suis fatiguée de t'attendre fixé le jour pour ce dîner. Alors, je pars revoir les cuisinières pour leur dire ce qu'elles doivent préparer. Oh, ma chérie. Mon ange. Maman. Allons-y. Ok, ma maman. Ma chérie, va faire tout ce que tu veux faire pour nous. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire. Félicitations. Sa Majesté. Félicitations. Sa Majesté. Oh, dis que toute là. Sa Majesté. Je suis vraiment fier de toi. Je suis heureux. Tu as maintenant franchi une nouvelle étape de ta vie. Une étape d'homme, des grands hommes. Merci beaucoup, papa. Je promets de ne pas vous abandonner. Je pense que nous devons aller chez les Ezemo pour qu'ils puissent nous donner des nouvelles. Et tu dis ça pourquoi? Comment sommes-nous supposés préparer l'organisation de la cérémonie de la présentation du prince comme le prochain roi de ce royaume sans avoir de nouvelles du Ezemo? Ichie, je ne sais pas pourquoi tu t'embrouilles toi-même avec les choses qui ne sont pas importantes. Qu'est-ce que tu dis? Le Ezemo lui-même a parlé au roi. Et le roi nous a dit ce que Ezemo lui avait dit. Et pourquoi devons-nous encore rentrer pour écouter Ezemo? Pourquoi? Mais n'es-tu pas en train de me dire que le conseil des sages de ce royaume est si compromis que nous faisons seulement ce que le roi dit sans même vérifier si c'est bien ou pas? Et c'est comme ça? Écoute. Ichiobala. Si vraiment tu cherches à politiser cette affaire, je te le demande maintenant d'arrêter. Le Ezemo a parlé et le roi a communiqué. Écoute, nous allons garder ce qui a été dit pour la présentation. Devant les staffs, si quelqu'un a dit des mensonges,
Nous allons le découvrir. Et si quelqu'un a dit la vérité, nous allons le découvrir devant le même staff. Ce n'est pas à toi et moi de s'asseoir ici et en discuter. C'est pour les dieux. Alors je te conseille de bien garder silence. Tu es prêt? Oui, aisément, je suis prêt. Ça, c'est de l'eau. Personnellement, je l'ai puisé à la rivière Akalobwe. Lave tes mains, afin de te connecter aux esprits de nos ancêtres. Et ensuite, tu vas tenir le sceptre pour la déclaration. Hein? Oui, vas-y, vas-y. Fais-le. C'est ce qu'on attendait tout ce temps. Vraiment, ceci met fin à ce processus. Allez-y dire au roi que le rite n'a pas réussi. La présentation également. Et la déclaration est reportée. Eh, Ezemo, pardon. Tu pars et tu nous laisses ici sans pour autant nous expliquer ce qui s'est passé. Va dire au roi ce que je t'ai dit. C'est quoi ça encore? Pourquoi est-ce que vous avez tous cette humeur sur vos visages? Votre Majesté, ça n'a pas bien marché. Pas du tout. Qu'est-ce que tu insinues? Le chef spirituel était absent? Onyeze, ce n'est pas ça, il était là. Mais le problème est... Votre fils, le prince, il était incapable... même de commencer le processus, ce que l'on dirigeait pour tenir le sceptre. Incapable. Je t'en prie, Onou, qu'est-ce que tu viens de dire? Ma reine, ça nous a aussi surpris comme vous. Ce qui s'est passé là-bas, devant le sage, ça ne s'est jamais fait. Il y avait une force étrange, ce qui a poussé le prince de tomber par terre. En plein rituel, il a jeté de l'eau par terre avec vitesse, qui était dans la calabasse secrète. Alors, le grand prêtre nous a dit de venir te dire, Onyeze, que le rite n'a pas réussi. La présentation, elle est interrompue. Et la déclaration est reportée. Non. Que quelqu'un d'entre vous me dise que ça, c'est une aventure. Votre Majesté, ce n'est pas une aventure. Ça s'est fait devant nos yeux. Même votre fils ici, le prince, je suis sûr, il est vraiment surpris, comme le même. Le grand prêtre, il peut être le mien pour expliquer ce qui s'est passé. On ne sait pas. Je n'ai pas même le courage de parler parce que je ne vais pas aller au-delà des dieux. Mais je suis inquiet. Ce qui s'est fait aujourd'hui, ça ne s'est jamais fait. Est-ce que cela a un lien avec moi? Est-ce que je suis allé à l'encontre de ce que le prêtre ne peut pas faire pour me réconcilier avec les ancêtres du royaume de Akaluku? Ou il y a quelque chose à faire avec le jeune homme? Répondez-moi. Regarde-moi droit dans tes yeux. Et dis-moi ce que tu as fait, mon fils. Je ne comprends rien. Je n'ai rien fait. Je veux dire, je n'ai rien fait du tout. Faux. Pourquoi alors as-tu permis que le contenu de la calebasse te mette à terre? J'ai moi-même besoin d'explications. Et... juste au moment où je l'avais touché,
j'avais senti une force étrange qui m'a fait tomber par terre. Je n'avais pas compris ce qui s'était passé. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que tout ceci n'arrive que durant mon règne? Il était certain que je pense que quelque chose n'allait pas quand le Dieu avait pris beaucoup de temps sans dire un mot. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Tu sais que je sais plutôt que j'ai bien joué mon rôle comme un père. J'étais élevé dignement. J'étais bien protégé. J'ai fait tout ce qu'un père peut faire pour son enfant. Je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que tu es en train d'insinuer, papa? Les choses sont très mal parties du moment où tu as été incapable de foutre ta main dans le contenu de la calebasse qui t'a été donnée par le chef lui-même. Est-ce que tu comprends cela? Je vais te demander pour une seconde fois. Es-tu vraiment sûr que tu n'as pas de sang sur ta main? Vraiment? Oh papa, comment pouvez-vous dire une telle chose? Je connais une assumption. Je dois pousser ma réflexion très loin. J'ai besoin des réponses. Et tout le coin doit être revisité. Des réponses, fils! Ezemo, je suis revenu parce que quelque chose me dit que tu es capable de m'expliquer. Maintenant, comme les anciens ne sont pas encore ici, tu es capable de m'expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. Hein? J'entendais l'information venant des dieux, mais ils n'ont pas encore dit quelque chose. Ezemo, tu dois essayer. Cherche à voir l'information venant des dieux. Parce que la nouvelle de ce qui s'est passé aujourd'hui s'est répandue. Comme un vent dans les royaumes. Le gens m'appelle. Ils veulent exactement savoir ce qui s'est passé et je n'ai pas quoi dire. Alors si ils m'appellent, qu'est-ce que je vais leur dire? Les dieux parlent quand ils décident. Mais pour le moment, ils n'ont rien dit. Alors c'est mieux de dire ceux-là qui t'appellent ce que je t'ai dit. Mais Zemo, tu sais bien comment est ce problème. S'ils posent la question à Onowu, et Onowu ne dit rien, il y a une petite chance qu'ils interpréteront à moins que Onowu cache quelque chose. Mets-moi à ta place. Onowu, ce n'est pas bien de me pousser à te dire quelque chose que les dieux n'ont pas dit. Les dieux ne sont pas comme nous. Ils réfléchissent autrement. Dis-leur d'être calme. Éventuellement, les dieux nous diront. Et je te dirai qu'est-ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas un problème. Je t'ai écouté. Qu'allons-nous donc faire maintenant? Tu devrais demander à ton fils. Qu'est-ce qu'il a fait dans le secret? Parce que je sais comment se comportent les dieux. Ils n'agissent pas en vain. Il doit avoir fait quelque chose. Il doit avoir commis quelque chose qui a fait à ce que ce problème arrive. Maintenant, parle-lui. Il doit nous dire exactement ce qu'il a fait pour qu'on en arrive ici, avant que ce ne soit tard. Ah, mais, mon seigneur, pourquoi ne pas inviter, c'est juste une suggestion, pourquoi ne pas inviter Ezemo? Laisse-le venir tout clarifier pour que nous puissions conclure. Je veux dire, nous l'avons très bien élevé. Nous leur avons appris de vivre une vie saine.
Mon roi, il y a autre chose que ce que tu penses. Qui demande d'être vérifié. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu insinues? Non, je ne suis pas en train d'insinuer quelque chose. Mais je suis sûr que Ezemo est capable de nous dire ce qui se passe. Il est l'œil des dieux. Je veux dire, laisse-le venir, s'il te plaît, nous faire sortir de ces pétrins. Que devrais-je faire maintenant? Je vous salue, papa. Salut. Qu'est-ce qui t'emmène dans ma présence? Est-ce que je peux discuter avec vous, papa? Écoute, je n'ai pas d'humeur. Écoutez tout ce que tu veux me dire maintenant. Tu peux partir. Je ne comprends pas. Pourquoi es-tu si abattu? Penses-tu que c'est de ma faute? Est-ce que c'est de ma faute si les dieux ont choisi de ne pas arranger les choses pour nous? Tu continues à être mon père. Et nous ne pouvons rien laisser entre nous pour tout gâcher. Tu vois, ça c'est le problème avec toi. Tu n'arrives pas à comprendre. Ce n'est pas seulement à propos du problème qui nous est arrivé. C'est juste la quintessence même de la royauté dans notre famille. Et le grand prêtre va tout régler lorsqu'il le voudra. S'il te plaît, papa, pouvons-nous continuer à vivre notre vie normale? Encore une fois de plus, je veux rester seul. C'est clair que tu n'es pas content de me voir. Je reviendrai lorsque tu iras mieux. Entrez. Bonjour, ma reine. La présidente de Oumuaba est ici pour vous voir. Nous devons reporter cette réunion. Je ne suis pas d'humeur, je ne saurai pas voir quelqu'un aujourd'hui. Présente-lui les excuses de ma part. D'accord, ma reine. Puis-je entrer maintenant? C'est impossible actuellement. Pourquoi? C'est quoi ça? Lui a-t-il dit que je suis ici? Je suis la présidente des femmes. Il n'y a pas une autre. Il n'y a que moi. Présidente de Oumuada. Pourquoi me fait-elle attendre ici? Elle m'a demandé de s'excuser auprès de vous. Elle ne peut pas vous voir maintenant. Hey! Je suggère que vous puissiez revenir plus tard. Hein? En tout cas, je ne me blâme pas du tout. Je comprends, ce n'est pas de ta faute. Calme-toi, calme-toi. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon père. Cet homme commence à me faire perdre la tête. Contrôle ta langue. C'est comme si c'est joué de moi. Après tout ce qui s'est passé, il ne veut plus me traiter comme son fils. Il est devenu froid envers moi. J'ai essayé d'introduire une conversation et il refuse de me parler comme mon père. N'est-ce pas assez pour énerver l'autre? Mon fils, tu dois lui donner du temps.
ce qui s'est passé l'autre fois n'était pas ce à quoi on s'attendait. On pensait qu'à ce moment, on serait en train de célébrer. Bien, c'est ce qui me fait poser aussi une importante question. Parce que jusque-là, on ne m'a rien expliqué. À quoi consistent réellement ces processus? Bien. Je pense que ton père t'avait déjà briefé à propos du trône. Tu vois, fils, le sceptre du royaume d'Akalogo n'est pas du tout ordinaire. Pour que tu puisses le tenir, tu dois être choisi par les dieux. Alors, fiston, tu dois te calmer et nous laisser trouver la solution à ce problème. Mais qu'est-ce qui m'a pris pour revenir dans ce royaume d'enfer? Les hommes peuvent encore parler de Dieu, des ancêtres, vraiment? Excuse-moi, qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis désolé maman, mais je suis déjà fatigué de toutes ces traditions stupides. Je suis une personnalité internationale et j'ai une fois été le président de l'Union des étudiants, dans une université de renommée en Europe. Je suis fatigué de ces traditions secrètes et lorsque les choses vont mal tourner, les hommes ne pourront pas parler ou tout admettre. Excuse-moi, maman. C'est quoi ça? Il n'est pas intéressé par les dieux. Et il est intéressé par qui? Par les ancêtres. Et nous voulons qu'il soit le futur roi. Est-ce la raison pour laquelle il n'était pas capable de passer par tous ces rituels? Je veux savoir la raison derrière le processus des rituels anciens. Parce que Ekene Funa est le premier fils. Automatiquement, il doit succéder son père. Bien. Ton frère ne peut pas succéder à ton père s'il ne passe pas par des rituels. C'est le seul processus qui va montrer à tout le monde qu'il n'est pas un homme simple, mais il est le futur roi. S'il est capable de tenir le sceptre, ça montrera qu'il a un cœur pur. J'espère que ses mains sont propres. Tout ceci est donc le silence de la tradition. Maman, il y a une force inexplicable entre les deux camps. Maintenant, tu as parlé. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que le processus avait échoué. Peut-être qu'il y a une chose relative aux dieux. Pourquoi as-tu dit ça? Maman, regarde ça dans cet angle. Ikeme Funa est vraiment de sang. Pour faire une chose qui va offenser les dieux, il y a sûrement une raison pour laquelle la procédure n'a pas marché. Et peu importe ce que cette raison peut être, ça n'a rien à voir avec Ikeme Funa, maman. Tu peux avoir raison. Mais je n'ai pas encore vu Ezemo ici au palais pour en savoir plus. Maman, peu importe ce qu'ils sont en train de faire, ils doivent le faire vite parce qu'ils aiment Funa. Il se perd au fur et à mesure. Il se perd. Tu es prêt? Oui, Ezemo, je suis prêt. Ça, c'est de l'eau. Je l'ai personnellement puisée à la rivière des Akalogwe. Lave tes mains pour se connecter aux esprits de nos ancêtres. Enfin de prendre les sceptres pour la déclaration. Oui, vas-y, vas-y. Fais-le. Le bon moment est arrivé. Cela met fin à ce processus. Va dire au roi que le rite a échoué. Je suis sûr que je n'ai rien fait. N'ont-ils pas mis quelque chose sur mes mains? C'est comment mon frère? Tu vas bien? Comment vais-je mieux aller avec tout ce qui se passe dans ces palais? Pourquoi tout le monde me regarde comme si j'étais la cause de tout le problème? Mon frère,
Il serait mieux que tu te calmes et que tu comprennes que c'est la tradition du peuple. Et la personne qu'on doit couronner comme roi doit apprendre et à respecter la tradition de ses terres. Et je te dirai ce que j'ai dit à maman. Je n'aime pas la tradition. Je ne suis pas confortable avec la tradition. Je ferais mieux de rentrer en Europe et reprendre ma vie d'où je me suis arrêté. De quoi es-tu en train de parler? Tu veux retourner en Europe? À qui laisseras-tu ta place? Car quiconque compte tolérer ces traditions stupides... Est-ce que tu peux arrêter? Arrêter et faire quoi? Le processus n'a pas réussi. Et qu'est-ce que je reste faire ici? Revenir et juste regarder ces hommes de basse classe qui se font appeler les conseillers? Ça serait mieux de partir vivre ma vie. Ok, calme-toi et ne sois pas monté. Je crois qu'il y aura une porte de sortie dans cette affaire. En tout cas, ce n'est pas mon problème. Je suis en train de rentrer en Europe pour vivre ma vie. Oh mon fils. Maman. Je suis vraiment heureuse. Et tu as fait notre fierté. Honnêtement, je suis si impressionné avec tout ce que j'ai vu. Je n'avais pas d'autre choix que de faire de vous fier de moi. Vous savez, c'est à cause de vous que mon rêve de devenir ingénieur civil a été réalisé. Fils. Je suis heureux. Tu vois, fils, tu vois, nous aimons ta détermination et ta passion. Tu as battu un grand travail. Nous n'avons que fait ce que tu attendais de nous comme étant de parents. Qui est celui de te guider? Et nous sommes fiers que tu nous as écoutés. Nous sommes contents avec l'argent que tu as apporté. Merci, papa. Merci, maman. Je suis vraiment heureux. Du moment où vous êtes heureux, je le suis aussi. Parce que vous êtes tout ce que j'ai dans ce monde. Quand vous l'êtes, moi aussi je le suis. Car oh. J'ai toujours voulu voir des sourires sur vos beaux visages. Oh, je suis heureux. Ça va, mon fils. Nous sommes très heureux de ton retour. J'allais oublier quelque chose. La nourriture est prête. Allons-y. Tu sais, c'est ton plat préféré. J'ai compris maintenant la raison pour laquelle il y avait une très bonne odeur qui me guettait. Oh, oh, allons-y, allons-y, allons-y. Mon fils, tu es terrible. Je suis tourmenté et ma tête n'est pas en paix. Qu'est-ce qui te trouble, mon roi? Aisez-moi vous parler comme si vous ne saviez rien. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tu ne m'as absolument rien dit. Après que le processus ait échoué, il s'agit là de mon fils et je veux savoir pourquoi il a été rejeté par des dieux. Je sais que tu as peur, mais je vais te dire ce que j'ai découvert. Qu'est-ce que c'est? Votre fils est Kemefuna. Il n'est pas juste pour te succéder. Aisez-moi, je suis confus. Tu es en train de me dire que les dieux sont en train de se préparer à ramener la royauté à une autre famille? Pas du tout. Le prochain héritier du trône viendra de ta famille. Pour finir avec les bruits. Aisément. Cela signifie automatiquement que les dieux vont maintenant permettre aux femmes de régner sur notre royaume. Et cela sera mieux pour ma fille Hadès. Elle est suffisamment chevronnée et elle a de la classe et la maturité. Ça sera bien, elle sera un très bon roi. Cela sont tes imaginations. Et tu permets des choses imaginaires. Le prochain héritier du trône sera un homme. Et il viendra de la famille royale. Ah, vous êtes en train de rendre cette situation beaucoup plus difficile pour moi. Mon unique fils a été rejeté par des dieux. À quel fils te réfères-tu qui puisse venir de mes entrailles? Ezebobé. Mon roi, je te le jure. Par les dieux de ce royaume, j'ai eu le message venant des dieux. Le prochain héritier du trône viendra de ta lignée. Et ça, c'est le message des dieux. Il n'y a personne qui peut dire autrement. Ce que tu viens de dire me rend vraiment confus. C'est exactement ce qu'il a dit. Il m'a dit que le successeur au trône serait un fils biologique. Et qui n'est pas Ikenefu? Ah, ah. Parce que Ikenefu a été rejeté par les dieux. Onyeze, je ne le crois pas. Ce que tu me dis, c'est ce que Akalugo avait dit. Est-ce que tu l'as entendu direct? Ah. Il ne l'a pas seulement dit. Il l'a dit avec beaucoup d'assurance. Ah. Ainsi se tenant dans sa posture de prêtre.
Et qu'est-ce que tu veux que je dise? Votre Majesté, vous n'allez pas comprendre pourquoi j'ai ri. Parce qu'en quelque sorte, je veux parvenir à te faire comprendre ce que le grand prêtre t'avait dit. Hein? C'est ça. Onyeze, vous n'avez que deux enfants. Hmm? Princesse Adeze et Ikemefuna. Celui dont tu fais allusion, tu sais que les dieux l'ont rejeté d'être roi des royaumes d'Akalugo. Et princesse Adeze, en tant qu'une femme, ne peut pas être un roi de ce royaume. Onyeze, ce que le grand prêtre essayait de te dire, il veut dire qu'il faut te trouver une autre femme. Qui donnera naissance à un homme, celui qui te succédera. Tu me comprends maintenant? Je n'étais pas en train de penser de cette façon. C'est pourquoi je suis venu te le dire en face. Je n'étais pas en train de penser comme cela. Que Dieu fasse de toi un homme sage. C'est pourquoi je suis là pour vous. Alors, Votre Majesté, maintenant nous avons démasqué pour comprendre le message du grand prêtre. Et maintenant, j'ai votre permission. Est-ce que je peux le faire pour vous amener unique belle fille de ces royaumes pour les choix? Mon roi, permettez-moi de le faire. Je suis un roi. Je ne prends pas des décisions rapidement. Calmons-nous. C'est bien, mais la nouvelle femme viendra. Ça arrivera, calme-toi. On doit attendre. Qu'est-ce que c'est? Ne t'ai-je jamais dit que je ne veux plus parler de cette affaire, hein? Mais mon roi, avec tout le respect, je suis ta femme. Peu importe que nous sommes une famille. J'ai appris que Ezemo était ici très tôt le matin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a rien de ce qu'il a dit qui puisse m'amener à discuter avec toi. Hein? Nous parlons de mon fils ici. Qu'est-ce qui te fait croire que je n'ai pas le droit de savoir ce qui ne va pas avec mon fils? Alors vas-y. Essaie à tout moment que tu parles de ton fils, comme si c'était le seul garçon dans ce monde. Suis-je en train de louper quelque chose ici, mon roi? Dis-moi, qu'est-ce qui le concerne? Tout autour de lui n'est pas toujours bon. Et nous devons en discuter. Malheureusement, ce n'est plus autour de lui, c'est passé au-dessus de lui. Il a été rejeté par les dieux en présence du prêtre et du conseil. Maintenant, le problème tourne autour de l'avenir du royaume. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa, qu'est-ce qui ne va pas avec maman? Je suis sûr que tu es venu ici discuter avec moi. Qu'est-ce que c'est? Papa, l'attention que j'ai trouvée ici n'est pas bonne. Qu'est-ce qui ne va pas avec maman? Oh non, mon cœur est tellement brisé. Je le vois déjà. Je vais dire, le fait de me suivre à la maison montre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ma reine, vous êtes prête à me parler? C'est quoi le problème? Oh non, ça fait un temps que je suis captivée dans le noir. Et j'avais décidé de ne pas du tout me plaindre. J'évitais que les gens me prennent pour je ne sais qui. Mais je pense que ceci a dépassé ma tolérance, Ono. Ma reine, ça c'est un langage fort que vous avez utilisé. Pourquoi dire de telles choses? Ono, j'aimerais savoir la raison pour laquelle les rituels de mon fils n'avaient pas marché. Est-ce que le roi a refusé de dire quelque chose à propos? Il n'y a que vous qui pouvez me dire ce qui se passe. Je crois que le roi doit pouvoir dire quelque chose. Le roi dit quoi exactement? Rien du tout. Il ne m'a vraiment rien dit. Ma reine? Oh? Est-ce qu'est-il vraiment possible pour toi, pour fortement douter, comme votre fils n'est pas connecté avec le dieu de ce royaume? Mais Ono,
C'est de mon fils que nous parlions ici. Je pense que j'ai le droit de savoir quelque chose concernant mon fils. Je suis d'accord, en 50%. Hein? Mais vous devez comprendre que le problème dont nous parlons ici, ce n'est pas seulement votre fils. Nous parlons ici de quelque chose qui est connecté avec Akalugo, le dieu lui-même. Je crois que vous devez rentrer. Attendez le retour de votre mari parce qu'il va parler au moment opportun. Mon mari, le roi, a refusé de dire quelque chose. Et je suis fatiguée de me taire. Très fatiguée de rester dans le noir. Alors, aisément, je suis venue savoir pourquoi les rituels qui devaient montrer que mon fils serait le futur roi avaient échoué. Avec tout le respect que je vous dois, ma reine. Il y a une raison pour laquelle j'ai refusé que vous vous asseyiez. Et je n'ai rien à discuter avec vous maintenant. Tu as quelque chose à discuter avec moi. Je veux dire, nous parlons de mon fils ici. Le problème, ce n'est pas votre fils. Le problème, c'est le trône. Mais mon fils est l'héritier du trône. Comment peux-tu parler du trône si mon fils n'est pas du tout dedans? Il y a la raison. Depuis nos ancêtres, une femme ne peut pas jouer le rôle du mascotte dans ton village. Ce n'est pas question de mascotte, nous parlons de mon fils. Je n'ai rien. Toute chose à faire avec les dieux. Les trônes ou les problèmes du royaume doivent être discutés avec les rois et les cabinets. Je n'ai rien discuté avec vous. Excuse-moi, Ezemo. Es-tu en train de dire que ma position en tant que reine de ce royaume n'est pas reconnue par toi? Avec tout respect, vous êtes la reine de ce royaume. Je n'ai rien discuté avec vous. Entre chez toi. Une fois encore, merci beaucoup d'avoir honoré cette rencontre. Je vous ai appelé pour vous informer que je suis en train de rentrer en Europe. Quoi? Pourquoi, fils? Je fais de mon mieux pour trouver une solution à ce problème. Pourquoi prends-tu une si vite décision? Bien, maman, je pensais que ça pouvait marcher, mais c'est clair que ça ne va pas marcher. J'avais tout abandonné, ma carrière, les études, et essayé un peu de penser comme de manière traditionnelle, mais ça ne marche pas. Et au lieu de rester ici à ne rien faire, je ferais mieux de rentrer d'où je viens. C'est ce que tu veux? Ma sœur, je pensais que nous avons déjà discuté de ça. Oui, je pense que tant une personne éduquée, ma décision doit être respectée. Bien sûr qu'on va la respecter. Si tu penses que c'est ce que tu veux, c'est bien. Si rentrer en Europe t'aidera à te sentir mieux, en tout cas, tu as tout mon soutien. Merci. Et écoute, fils, tu ne dois pas te traiter durement. Nous avons beaucoup de gens dans notre société qui ont fait beaucoup de choses, qui ont impacté beaucoup de vies, sans même être roi. Et cela n'est pas différent. Écoute, dans une situation comme celle-ci, il n'y a rien que je puisse faire. Et telle est la tradition. Je ne peux pas aller à l'encontre de la tradition. Tout ce que nous pouvons faire étant contre la tradition ne sera pas bien. Et cela ne sera surtout pas une bonne chose pour notre famille. Tu sais que je t'aime beaucoup. Et tu le sais très bien. Et tu sais qu'aussi longtemps que je voudrais que tu restes ici. Mais je voudrais te laisser voler. Vas-y, sois une meilleure personne. Sois aussi meilleure que tu l'entends. Rends-nous fiers. En ce qui concerne ta décision de rentrer en Autriche, tu as ma bénédiction. Merci énormément, papa. Que les dieux soient avec toi. Merci, papa. Et tu réussiras. Merci, papa. Quand est-ce que tu vas revenir? Je pars dans 5 jours. Quoi? C'est très vite. Maman, laisse le jeune homme partir. Je suis là pour toi. S'il te plaît, maman, je suis un homme qui a déjà grandi et quand j'ai pris ma décision, je veux que tout le monde autour de moi puisse la respecter. Je rentre en Europe. Fils, pourquoi veux-tu partir? Pourquoi ne pas rester et t'engager ici? Tu as en effet tout le moyen pour te ressaisir. Pourquoi veux-tu alors partir? Est-ce pour le trône?
Maman, tu sais bien que je n'ai jamais été obsédé par le trône. Je rentre en Europe pour pouvoir poursuivre ma carrière avec les amis de longues années. Mais une chose dont je peux t'assurer, maman, je t'assure de te rendre fière. Tu as toujours fait ma fierté, mon fils. Merci énormément, maman. Tu dois rester hors de trouble. Je le ferai. Tu vas me manquer, maman. Tu vas plus me manquer. Je t'aime, maman. Oh. Oui, ma maman. Et rassure-toi de m'appeler chaque jour. Je le ferai. Toi également. Je t'appellerai. Les grands œils de Dieu, nous sommes venus pour quelques clarifications. Nous ne pouvons pas avancer dans la confusion et laisser les choses se passer de la manière dont elles se passent. Depuis que tout ceci est arrivé, tu ne nous as rien dit. Les rumeurs sont en train de circuler dans tous les sens. Et nous nous posons des questions. Qu'en est-il de l'avenir de notre royaume? Où est Onowu? Nous sommes les membres du conseil. Et nous sommes venus faire des demandes concernant notre royaume. Vous voulez dire que si nous ne venons pas avec le Onowu, nous ne pouvons pas le faire? Non, je n'ai pas dit ça. Et non plus, je n'ai pas refusé de le faire. Devez rentrer à la maison et vous reposer. Le prochain héritier sera confirmé dans la famille de Ezebube. Quand le moment viendra, les dieux nous révéleront qui est l'héritier. Parce qu'il continue totalement à contrôler les problèmes de ce royaume. De vrai, tu vas me manquer. Tu vas aussi énormément me manquer. Surtout que je ne sais pas quand je vais encore revenir dans cette terre. Mais je te comprends pas, tu parles comme si tu vas plus revenir. Je ne sais pas quoi vraiment dire. Imagine qu'une très belle terre comme celle-ci continue toujours à croire à des choses comme les ancêtres, les dieux. Ces choses doivent cesser. C'est bon, faut pas le blâmer. Cela veut dire c'est ce qu'ils savent, alors ils travaillent là-dessus. Je ne peux pas travailler pour eux. Je ne suis pas intéressé. Ne me mets pas dedans. Enfin, il ne faut pas que tu n'oublies. Personnellement, tu vas beaucoup me manquer, alors il faut que tu saches ça. Ok. Nous commencerons à nous parler en appel vidéo. Promis. Je vais juste commencer à te donner les infos sur tout ce qui va se passer ici à la maison. Je crois-moi. Sais très bien que tu aimes toujours le faire. Nous sommes proches de l'aéroport. Je commence juste à me fatiguer. C'est vrai? Oui, vraiment. Ma carrière est en train de m'attendre. Je ne peux pas rester ici et juste parler des ancêtres, le dieu, les calibas. Ça va, c'est bon. Tu sais, j'ai peur de... Tu sais, c'est bon. Cette situation, ça ne va pas en tout cas. Ce n'est pas normal. On ne sait pas ce qu'on fera ici, vraiment. Non. C'est compliqué, vraiment. C'est pas bien ça. C'est pas bien. Le royaume est vraiment dans ça. Nous étions tentés de croire qu'il y a un accord secret, mais je l'ai vu différemment. Comment tu trouves ça? Sommes-nous obligés d'amener Onowu partout où nous allons, même si nous devons aller parler si avec le prêtre? Ça va paraître comme si nous nous révoltons contre le roi et le Onowu, et ça ne sera pas bon pour ce royaume à long terme. De ce qui découle de l'adresse du prêtre, c'est que c'est tellement dangereux. Ce que je comprends, c'est qu'ils sont en train de se voir plus hommes que nous. Nous devons aller voir l'Onowu et lui faire une déclaration. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ichiemba est fâché, désolé. Deux fonds ne peuvent pas faire Ichiyo du bien. Oui. Nous devons confondre le mal pour que le bien soit fait. Ça, c'est exactement ce que nous allons faire. Tu as vraiment besoin de te calmer, Ichiemba Nefo. Si nous nous empressons à résoudre ce problème, cela se transformera en carnage et on n'est pas prêt à ça. Mais où vas-tu? Il n'est pas important de pouvoir t'en aller pendant qu'on discute sur choses importantes. Ichiemba Nefo, je m'adresse à toi. Mon ange. Maman. Je ne sais pas que tu t'es déjà retournée après avoir déposé ton frère à l'aéroport. Maman, tu t'es reposée, je ne voulais pas te déroger. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi est-ce que Ikemi Funa doit partir. J'ai voulu qu'il reste et qu'il se recherche ici. Maman, tu connais Ikem. Il va jamais faire ça. Et
Je le soutiens. Oui, je sais qu'il fera notre fierté. Tu connais ton fils. C'est un grand beau sérieux, très ambitieux. Je sais. Maman, maintenant, as-tu fait des efforts pour savoir pourquoi? La procédure n'a pas marché? Non, pas du tout. Peut-être que devenir roi n'est pas dans sa destinée. Ou peut-être que le dieu a quelque chose de plus mieux pour lui. Vraiment? Quelque chose de meilleur que succéder son père? Adézé, soyons juste patients pour voir comment est-ce que nous allons finir ce problème. Ok, maman. Votre Majesté, Ichie Obala est venu me voir aujourd'hui pour m'informer d'aller voir les grands prêtres. Pourquoi doivent-ils aller voir le prêtre? Pour lui poser une question. Pourquoi le futur de notre royaume est si sombre? Et qu'est-ce que tu leur as dit? Bien, ils cherchaient que je parte avec eux, mais je les ai menti. Je leur ai dit que j'ai un rendez-vous d'affaires avec un ami. Chose qu'ils ne peuvent pas résoudre. Ok, leurs intentions sont claires. Ils sont en train de faire ce qu'ils sont supposés de faire comme un ancien. Et il n'y a pas de problème. Mais Onyeze, laissez-moi vous choquer. Ils ont quitté ces lieux en colère. Pourquoi? Parce que le prêtre leur avait dit de rentrer à la maison. Il leur avait demandé de rentrer à la maison et permettre aux dieux de continuer et mettre fin à ce qu'ils ont commencé. Mais et il leur a dit que les successeurs au trône viendront des maisons trahies. Exactement, vous devez avoir confiance à votre prêtre. Il leur avait dit ça. Et il continue à se lamenter comment cela pourrait être possible. Onyeze, dis-moi. Mais c'est exactement cette question que j'allais aborder avec toi. C'est quoi le problème? Je suis prêt à prendre une deuxième femme. Ah! Oui. C'est vraiment bien ça. Je me rappelle de la dernière fois où tu me parlais d'une servante. Et je pense qu'en faisant ça, j'aurai la personne qui me succédera au trône. Onyeze, ne me faites pas rire comme ça. Et je sais que ça va se réaliser. Mais vous savez que toutes mes filles sont mariées. Elles toutes. Vous le savez. Mm-hmm. Mais Chinwe, ma nièce, la fille de mon défunt frère, vraiment, elle est valable. Vraiment belle. Votre Majesté, nous parlons concernant une jeune fille qui s'habille bien, vraiment respectueuse, qui ne manque rien. Elle a toute chose. Je vous l'ai dit. Quand je vous disais que je vais... Vous trouver une demoiselle pour les choix. C'est son nom qui m'était venu dans ma tête parce que je le savais. Je crois que quand vous la verrez, vous la laisserez. Elle a toute chose comme je venais de vous alors, le dire. Alors, dans ce cas, mettons les batteries en marche. Votre Majesté, la première chose à faire, c'est d'informer la fille. Oui, je sais que si elle vient ici, elle ne sera pas disqualifiée. Je ne lui ai pas encore dit. Alors, nous devons l'informer. Si possible, je vais lui dire de venir vous voir. Vous devez vous parler à deux et commencer le processus. Oh non, nous n'avons pas besoin de cette perte de temps. Et tu n'as pas besoin de perdre du temps comme ça. Tu sais ce dont j'ai besoin. Si tu peux croire en elle, comme cette femme capable de pouvoir étancher ma soif... Faites-moi confiance. Alors, je croirais aussi. Mais votre Majesté, c'est lui qui a la vache. C'est la personne qui sait comment diriger la vache. On ne peut pas les séparer de la vache. toute chose est le vôtre, votre Majesté. Ça, c'est un arrangement. C'est un arrangement que nous faisons. Je vais lui dire de venir vous voir, mon roi. Je n'ai pas de problème. Onyeze. Mon frère, oui. Bon après-midi. Bon après-midi. Je suis ici pour voir Sa Majesté. Est-ce que tu as un rendez-vous avec lui? Oh non, et mon oncle.
Il m'a envoyé ici. Ok, attends-moi. Waouh, mon Dieu, oh là là, cette personne comme elle est jolie, elle est très belle. Waouh, 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 mon Dieu, ouf. Bonjour, votre majesté. Oui, qu'est-ce que c'est? Il y a une dame qui veut venir vous voir. Elle a dit qu'elle a été envoyée par l'ONU. Ok, laisse-la entrer. À vos ordres. Il a dit, je peux entrer? Votre Majesté, mes salutations. Ah, salut. Comment tu vas, ma chère? Ah, assieds-toi. Merci, Votre Majesté. Comme vous pouvez le voir, je veux bien. Onohou ne m'avait pas menti à ce qui te concernait. Quelle beauté tu aurais gorge. Votre non, Majesté, merci beaucoup pour vos compliments. Honnêtement, je suis honorée par votre présence. Maintenant, je vais t'offrir à manger et ne me dis pas que tu n'as pas faim. Parce que maintenant, tu es venu en tant qu'invité de la part du roi. J'ai raison de t'offrir à manger. Est-ce que tu trouves ça? Oh, Votre Majesté, vous êtes en train d'agir comme si j'étais très importante. Tu n'es pas seulement importante. Tu es très, très, très importante et très belle. Merci garde. Beaucoup, mon roi. Viens. Ah, viens, viens t'asseoir ici. Chinwando, ma belle fille. Je suis tellement heureux comme le roi t'a aimé. Content d'entendre ça. Oncle, merci beaucoup pour ce merveilleuse opportunité. Je suis sûre que ma maman sera vraiment très contente. C'est vrai. Tu peux imaginer que moi, l'ordinaire Chinwe, Obanji, ne dis pas ça, pouvait devenir la reine de ce royaume. Oh, c'est pas croyable. La raison est vraiment simple. Tu es une fille bénie. Et c'est pourquoi tu dois devenir la reine. Oncle, il fallait voir comment le roi était assis avec moi. C'est évident qu'il m'aime beaucoup. Il ne peut pas le nier. Tu n'as pas tort. Tu as toutes choses, comme je lui ai dit, que tu as. Tu as toutes choses. C'est un peu ça. Ce que nous devons faire maintenant, c'est à nous de commencer la préparation pour le mariage. Oui. Très rapidement comme ça. Oh, oncle, je suis très ravie. Mon Dieu n'est pas mort. Il y a quelque chose là. Pourquoi le roi veut avoir une autre femme? Je voulais dire, il n'a pas fait ça depuis lors. Tu sais, comme tu me demandes cette question intelligente comme ça, tu me rappelles tout de suite pour te dire, tu es une fille sage. Merci, oncle. Alors, pour être clair à ta question, je veux que tu comprennes que c'est mieux de mettre de côté certaines clarifications qui ne sont pas importantes. Oui. Ok. Laisse-moi te le dire autrement. Le roi a besoin d'une autre femme parce qu'il veut que cette dernière lui donne un héritier. Et tu sais que Ikemen Funya, son fils, est rejeté par les dieux. Il ne sera pas roi après son père. Quoi? Je n'ai jamais su. C'est pourquoi je te l'ai dit. Tu es vraiment une référence. Tu vas devenir reine
de ce palais. Simplement, je vais dire, ta position est garantie. Ok? Tu viens de le dire toi-même que le roi... Qu'il est attiré de toi et moi j'attends de toi... D'utiliser toutes choses que tu as, tu sais, pour te positionner sur ce chemin. Pour bien jouer ce jeu afin d'attirer plus ton attention. Crois-moi, mon homme. J'ai confiance à toi, ma chère. Tu sais, je connais les rois. Très bien. Nous sommes les amis. Voire même avant d'être le roi, il était mon ami. Voilà pourquoi je t'envoie là-bas parce que exactement je sais ce que tu veux. Et je suis content parce que toute chose ira à la vitesse de l'avion. Je te remercie infiniment. Merci. Je suis tellement reconnaissante. Non, ça ne vaut pas même pas la peine de me dire tout ça. Toutes choses sont bonnes. Écoute, je veux que tu te comportes toi-même. Très bien. Et alors, quand tu seras prête pour le mariage, tu feras beaucoup d'attention qu'on m'a communiqué à tes amis ce qu'on t'a offert. Mais non, je dirai personne. Il faut être prudente avant de dire quelque chose à quelqu'un d'autre. Elles vont me jalouser, les jalouses. Tu sais quoi, avant de connaître ce qui se passe, quelqu'un peut aller dire quelque chose et tout sera gâché. Sois calme, ma fille. J'ai confiance à toi. Ça va aller. Waouh! Mes salutations, Sa Majesté! Salut, mon aimable reine! Tu parais si ravissante! Merci beaucoup! Comment était ta première nuit au palais? C'était splendide! Quelque chose d'inoubliable! La vérité est que tu y es tellement insaisissable et très fort! Tu as vraiment raison. Ça, c'est vraiment intéressant de le savoir. Votre Majesté, s'il te plaît, j'aimerais parler avec toi en privé. Sa Majesté, je veux vous attendre. Dans ma chambre. D'accord, ma chère. La raison pour laquelle je suis ici, c'est pour cette affaire. Qu'est-ce que cela signifie? Te regardons parler, c'est comme si c'était quelqu'un qui est venu vers moi tout en ayant eu des querelles avec quelqu'un. Je suis pas en train de me quereller avec quelqu'un. Je suis sûre que tu as bien vu l'impolitesse qu'elle a affichée en me regardant lorsqu'elle partait d'ici. Bien, je comprends cela. Il est normal qu'une femme, si son mari prenait une autre femme, c'est tout à fait normal. Tu n'es pas la seule. Quel est ce problème que tu as ? Contre moi dans le sens de pouvoir résoudre ton souci. Votre Majesté, je n'ai pas du tout de problème avec quelqu'un. Mais tu ne peux pas passer tout ton temps avec cette nouvelle fille. S'il te plaît, parle-lui. Et apprends-lui quelques notions de respect de personne. Elle est trop impolie. Les femmes resteront toujours des femmes. Elles ne changeront jamais. Écoute-toi parler. Tu es très jalouse. Et honnêtement, tu dois être au-dessus de ces problèmes. Ça, ce n'est pas du tout drôle, mon roi. Ah, ma reine, tu sais que je t'aime et je te respecte beaucoup. Tu es la reine et tu ne peux pas te plaindre pour des sujets de basse classe. Tu devrais normalement l'enseigner comment se comporter dans le palais. Tel est ton rang. Mais à t'entendre parler, tu parles comme si tu compétis contre quelqu'un. Ceci n'est pas une compétition. Bien, mon roi. J'ai déjà dit l'essentiel. Les femmes... Thank you.
Oh, mon ange. Comment vas-tu? Je veux bien. Tu es très belle. Merci beaucoup, maman. Tu ne peux pas quand même t'attendre des choses bas provenant d'un DG. Oh, vraiment? Et pourquoi tu pars en retard au boulot aujourd'hui? Oh, maman, je dois régler un problème avant que j'arrive au bureau. C'est bien. Tu ne parais pas épanouie. Qu'est-ce que t'as, maman? C'est quoi ton problème? Le désespoir de la succession du trône de ton père a fait qu'il emmène cette femme impolie dans ses palais. Maman, il faut que tu l'évites. Je ne veux pas que tu puisses faire des échanges de paroles avec cette fille parce qu'elle n'est pas de ton niveau, elle est vraiment très basse. Je sais. Mais elle a de réaction comme si elle a plein droit ici, dans ce palais. Maman, il ne faut pas que tu commences à te stresser à cause de ça. Fais-moi un sourire sur ces jolis visages, maman. Je t'en prie. Je le ferai au moment opportun. Mais pour le moment, je ne suis pas heureuse. Tu dois être heureuse, maman. Rappelle-toi, tu n'es plus jeune. Tu auras l'attention. Et ça, c'est vrai. Je sais. C'est bon. Sois prudente, mon ange. Je suis toujours prudente et je veux bien. Tu es toujours jolie. Tu es la reine. Sois la reine. Passe une bonne journée, maman. Toi aussi, merci. On se voit le soir. Sois sage. Tu vois ce catcheur? Je crois que c'est lui le plus fort de toute la confédération. Et il va nous frapper, c'est lui. Regarde, est-ce que tu vois? C'est encore... Qui est-ce? C'est notre fils. Bonsoir, papa. Bonsoir, mon fils. Sois le bienvenu. Bienvenue, mon fils. Tu parais stressé. Je suis vraiment stressé. J'ai eu une journée très difficile aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bien, nous regardons notre programme favori. Donnez-moi énormément. Vous savez, quand je vous regarde à deux, je crois toujours que l'amour existe. T'en fais pas, mon fils. C'est pas pour longtemps. Tu trouveras aussi ton amour. Oh, waouh, j'espère aussi, bien maman. Sûr. Fils. Papa. Je pense que tu travailles très, très dur. Tu dois essayer de te reposer un tout petit peu. C'est juste mon opinion. C'est la vérité, fils. Maman. Je n'aimerais pas que tu t'épuises. Maman, tu t'inquiètes beaucoup, ok? Tu t'inquiètes beaucoup. Je prendrai soin de moi. Ok, comme tu l'as dit, vas-y d'abord te rafraîchir et puis tu viendras... Fais quelque chose de bon. Oh non, 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 maman. Vous voyez pourquoi je me dis que vous vous inquiétez beaucoup, hein? Je suis pas un étranger. Je connais très bien la cuisine. J'irai prendre soin de moi. Ok, ok. Ne vous en faites pas. Serre-toi alors. Maman. D'accord, maman. Je me prosterne avant de vous saluer, ma reine. Peux-tu garder ta salutation avant que je ne puisse te manger? Je viens de ma chambre et j'ai vu les vêtements que je t'avais demandé de me le laver, toujours sur mon lit. Pourquoi m'as-tu désobéi? Je suis désolée, ma reine. La nouvelle reine m'a demandé de nettoyer premièrement sa chambre et après le travail, elle m'avait envoyé quelque part. Quoi? Quel culot! Tu es ma servante personnelle. Elle n'a vraiment pas le droit de te demander un travail si ce n'est que le mien. Pourquoi la reine mère est en train de crier? Je pensais que tu faisais l'hypertension. Il faudrait mieux que tu te calmes. Rien ne peut t'arriver actuellement sans que tu ne cites le nom de Chinwe. Hein?
Alors, parmi toutes les servantes de ce palais, tu n'as pas vu quelqu'un d'autre pour envoyer? Tu n'as vu que ma servante privée? La reine mère, comme tu venais de le dire, il y a plusieurs servantes dans ces palais. J'ai juste choisi une et tu t'es mis là à crier. Maintenant je sais. Je n'ai jamais su qu'il y avait une servante qui était destinée à une personne. Tu as raison. Tout est joué de ma patience dans ce palais. Ne faites pas ça. La ferme. La prochaine fois, si quelqu'un ose t'envoyer ou te donne une instruction qui empêchera la mienne et que tu la fais, je te chasserai ces jours-là. Dégage de ma vue! Il y a une raison pour laquelle j'avais permis à mon mari de t'emmener ici dans ce palais. Sois focalisé, sois-en concentré et oublie cette partie qui te fait croire que tu peux faire la guerre avec moi. Écoute, la force de la nature sera très dure contre toi. Retiens mes mots. Je te renvoie ta malédiction. Je te la renvoie. Tu ne peux rien me faire, surtout venant de toi. La jalouse. Une personne mais jalouse. C'est quoi cette affaire? Je vais continuer à défendre ma position ici dans ces palais. Elle veut que je puisse faire ce qu'elle veut. Et maintenant elle veut commencer à me prendre pour une servante. Je ne permettrai pas ça. Jalousie, la jalouse. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai entendu crier. N'est-ce pas cette fille de basse classe que ton père emmenait dans ce palais en tant que sa femme? Maman, qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle a instruit Achika de laisser tous mes travaux et faire le sien pour revenir au mien quand il va terminer. Maman, je t'ai demandé d'éviter cette femme. Arrête de la faire comprendre qu'elle est importante pour l'amener à ton niveau. Je ne l'accepterai pas. Adese, parle-lui. Elle est la femme de ton père. Dis-lui d'éviter tout ce qui me concerne. Pourquoi elle réagit comme si elle avait beaucoup d'expérience en mariage que ma maman? C'est vraiment délicieux. Merci. Très délicieux. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Oh mon Dieu! C'est quoi le souci? Où est la stupide servante qui a préparé cette nourriture? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mon roi, cette nourriture est tellement salée. Je peux pas manger ça. Si pourquoi? Tu vas pas en manger, pourquoi ne pas chercher autre chose pour manger? Arrête de créer des scènes ici. Cette nourriture, elle est parfaite, n'est-ce pas, papa? Mais tu sais que quelqu'un... Assez de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Donc personne peux-tu ne peut manger... Peux-tu la fermer et manger dans le calme? Ok, je peux pas manger ça, c'est trop salé pour moi. Mon roi, tu étais juste là et tu regardais comment ta fille m'humiliait. Comme si tu n'avais rien remarqué. Ça, c'est pas du tout juste. Tu commences à embarrasser tout le monde. Tu embarrasses tout le monde et je n'apprécie plus cela. Mon roi, quand quelque chose n'est pas bon, je dois parler de ça. Ou bien, tu as une drôle de façon de t'exprimer en ce qui concerne tes avis. Je n'apprécie pas cela. Tu ne dois pas oublier que ça,
C'est un palais et tu dois voir ta façon de te comporter. Tu n'es pas la première reine. Mon roi, je suis désolée. Tu as intérêt. Je ne pouvais pas comprendre que tu mangeais ça. Cette nourriture n'était même pas bonne. Ce genre de nourriture n'est pas supposé d'être servi au palais. Spécialement une personne qui a ma condition. Qu'est-ce que cela signifie? Sa Majesté, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'écoute. Je... Prends, regarde-le. Tu es grosse? Oui, Sa Majesté, je porte ton fils. Vraiment, ah, vraiment, ça c'est vraiment étrange. J'ai beaucoup aimé. Viens vers moi. Je suis tellement excitée. En tout cas, nous devons fêter. Bien sûr. Je suis tout à toi. Fais de moi ce que tu veux. Écoute. Les dieux de notre merveilleux royaume seront avec toi du début jusqu'à la fin de cette grossesse. Aucun mal ne t'atteindra. Issé. Maman, je maintiens toujours ce que je t'ai dit. Ne la laisse pas croire qu'elle est de ton niveau. S'il te plaît. Adézé, j'essaye. Je sais. Tu sais que je m'efforce. Mais cette fille ne se comporte pas du tout comme une très bonne femme. Peut-être que tu as raison. Mais papa, avec toutes les filles de sa classe, c'est elle qu'elle a trouvée comme femme. Maman. La merveilleuse maman. S'il te plaît, vis ta vie. Ce qui est important ici, c'est que tu n'as rien perdu. Tu es toujours la reine du royaume d'Agnebo, maman. Alors, s'il te plaît, oublie ça, ok? S'il te plaît, maman. Ah ah. Pourquoi tu es assis comme ça? Je viens juste de la salle de sport. Et mon corps me fait mal. Regarde-moi cette fille. Je sais. Tu ne vas pas t'habiller maintenant. Nous devons partir à la boutique. Maman, non. Je n'irai nulle part. Franchement, je ne me sens pas bien. Maman, tu peux partir. On ira ensemble même prochainement. Regarde-moi cette fille. De toutes les façons, je ne te blâme pas. Tout ce que tu sais faire, c'est partir au gymnase, revenir, manger et puis regarder la télé. Maman, de quoi parles-tu? Tu sais très bien que je suis capable de tout faire seule. Je peux même bien faire la vaisselle. Hein? Souviens-toi. Je suis même capable de préparer moi-même. J'ai juste un sérieux problème de temps. Mais sinon, maman, tu sais très bien que moi, je suis une femme forte. Peu importe. Je veux juste que tu puisses finir avec tes examens. Je vais en parler aux amis pour te faire voyager. Sérieux? Oh, maman, mon chéri. Merci, maman. Je voulais aussi te demander un peu d'argent pour pouvoir faire mon petit business. Quelle affaire? Quand tu n'arrives même pas à me suivre au magasin. Arrête ces distractions, maman. Pardon. Arrête ça. Arrête ça, s'il te plaît. Je suis fatiguée. Prends juste soin de toi. Toi aussi. Mouah. Je t'aime, maman. Bye, ma chérie. Ma plus belle nièce. Tu sais que je suis vraiment content de te voir comme ça. Oh. Merci.
C'est grâce à toi, non? Assieds-toi, assieds-toi. Oh, merci. Assieds-toi. Merci. Tu sais, comme je te vois avec les véhicules du roi, tu es d'accord avec moi que le roi a accepté que tu te déplaces avec. Oncle, tu peux encore le dire. Le roi est une personne aimant et attentionnée. Je peux le voir déjà. Je crois que tu n'as aucun problème avec les gens du palais. Peut-être avec la reine, j'espère. Oh non, même pas. Nous vivons dans la paix. C'est bien. Ça, c'est bien. Oncle, c'est bien de te revoir encore. Ça fait un temps que tu ne viens plus au palais. C'est parce que j'étais vraiment occupé avec mes affaires. Tu as oublié ce qu'on a fait? Oh. Je fais ce que je faisais. Je pense que tu le connais bien. Alors, je parcourais les environs. Je venais d'arriver il y a 10 jours passés. Je vois. Et comme tu es venu aujourd'hui, je crois que tu iras voir ta mère avant de rentrer au palais. Ma mère n'est pas encore de retour de Mugo. Ah, c'est ça, oh. Je vais même oublier. Vraiment, tu m'as rappelé. Oncle? Hein? Oui. Oui, ça c'est à toi. Pour moi? Et d'ailleurs, tu mérites mieux que ça. Ça m'étonne, oh. Merci, oh. Je vraiment apprécie. Je vous en prie. Ça, c'est les histoires que j'aime, oh. Et comme tu es là aujourd'hui, je crois que tu ne me quitteras pas rapidement. Parce que je vais leur instruire maintenant de te préparer quelque chose de délicieuse. Quelque chose comme celle ton père aimait. Je sais que tu vas l'aimer. Oh, oncle, tu n'as pas à te déranger. Je ne suis pas un visiteur. Je connais mon chemin. Attends, ça c'est bien, ça c'est bien. Laisse-moi prendre mon colis. Je reviens. Hein? Hé, viens ici. Où est ma voiture? La nouvelle reine est sortie avec. Hein? Quelle bêtise! Et tu lui as permis de sortir avec? S'il vous plaît, votre majesté, je savais que vous étiez averti. Vraiment? Maintenant, disparaît! D'accord, votre majesté. Quelle est cette bêtise que je suis en train de voir ici? C'est quelle bêtise? Pourquoi déranges-tu le pauvre garçon? C'est comme si tu ne sais pas le genre de femme que tu as épousée. Peu importe. Laisse-moi prendre ma clé de contact. Ne te dérange pas. Nous pouvons toujours utiliser une autre. Une reine est tellement bien. Ça veut-il dire que tu ne veux pas apprendre à garder ta bande? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis la reine dans ce palais. Est-ce que j'ai des limites? Avec toutes les ventes qui se trouvent dans ce palais, tu as choisi de te promener avec la voiture privée du roi? Tu as appelé ça privé? Voilà, je suis sortie avec parce que c'est ce dont j'ai besoin pour ma condition. Et en plus de cela, je ne sais pas pourquoi tu te fâches à cause de ça. Bien. Si tu finis de masser ton sale ventre, tu iras voir le roi. La femme jalouse. Je suis la femme du roi, alors je dois vivre comme le roi. Mon amour, comment tu vas? D'où est-ce que tu viens? Je crie t'avoir dit que j'allais voir mon oncle. Et ça fait un moment que je suis sortie promener.
Avec ça, tu es sorti de ma voiture. Où est le mal dans ça? Suis-je pas la femme du roi? Écoute, tu dois vraiment comprendre ça. Je ne savais pas que tu étais si respectueuse. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ton véhicule? Ou pourquoi tu n'es pas sorti avec un autre véhicule? Pourquoi seulement utiliser la mienne? Mon roi, je ne m'attendais pas à ce que tu puisses parler ainsi. Ma voiture est ancienne, alors je ne peux pas me donner le stress d'entrer à l'intérieur et puis rouler. Toi, regarde juste mon état. Hein? Je ne vais pas avoir ce genre de stress. Et pour d'autres voitures qui sont dans la parcelle, tu ne m'as pas dit de sortir avec des voitures qui ne sont pas utilisées pendant plusieurs moments. Et s'il arrivait que ça tombe en panne, qu'est-ce qui va m'arriver dans cette condition? Il serait mieux que tu penses à m'acheter une nouvelle voiture et un style privé. Je ne savais vraiment pas que tu étais comme ça. Tu dois être beaucoup plus prudente. Je ne savais pas que tu étais si respectueuse. Écoute, depuis quand est-ce que ça a commencé? Dis-moi, quand? Suis-je pas la femme du roi? Fais gaffe, à bon attendeur, salut! Oh, papa! Ah, princesse, comment tu vas? Oh, j'ai une journée très longue. Ah, je vais voir sur ton visage. Ça fait pratiquement 2 jours que je ne t'ai pas vu. Tu te réveilles tôt pour aller au travail et tu rentres tard, hein? Papa, je pensais que tu devais être en repos. Je ne pouvais pas me permettre d'aller en repos sans que je ne finisse cette tâche. Oh, ok. Combien de fois devrais-je te demander de trouver du temps pour toi-même afin que tu fasses autre chose? Tu ne peux pas passer toute ta vie en travaillant, en cherchant à gagner de l'argent. Oui. Papa, toi et moi savons que moi et Patrick ne sommes pas compatibles. Ma fille, j'apprécie vraiment le fait que tu es une grande travailleuse. Je n'ai jamais ressenti de remords de t'avoir laissé ma société. Surtout, tu dois trouver du temps pour faire autre chose. Ok. Donne un peu de sens à ta vie. Ne cherche pas à ce que je te force à m'amener un monsieur ici. Papa, je vais partir maintenant. Vas-y. Ok, merci. Tu avais pris ma veste que je t'avais laissée? Tu es supposé de ne plus manger les sucreries. Oh, bon sang. Et qui garde mes affaires dans ce cas? Ma princesse, tu as demandé de me voir. C'est par rapport à ce qui se passe dans ce palais. Je comprends pas. Je sais que je n'ai rien à voir avec toi, bien sûr. Et je sais que tu as un peu de respect pour moi. Voilà pourquoi tu ne m'affrontes pas. Mais s'il te plaît, je n'aime pas la façon dont tu parles à ma maman. Qu'est-ce que ça t'écouterait si tu lui donnais le respect qu'elle mérite? Elle n'est pas en compétition avec toi. Mais ma princesse, je n'ai pas encore fini de parler. Nous vivions en paix dans cette maison. Et comme tu en fais partie maintenant, je veux que tu fasses partie de cette paix et non de troubles. Ma princesse, beaucoup de choses qui se passent ici dans ce palais n'est toujours pas ma faute. C'est juste parce qu'on ne me comprend pas. Je n'ai jamais su ça. Mais je veux que toi, tu puisses arranger les choses. Et quand quelqu'un ne se fait pas comprendre pratiquement par tout le monde, et on dirait qu'il y a un problème. Tu es en train de dire que je suis tellement mauvaise, c'est ce que je n'ai pas dit. Mais je n'aime pas la manière dont ma mère se plaint beaucoup. Je n'ai sérieusement pas besoin d'avoir des tiraillements avec toi. Je veux dire, comment tu peux manquer du respect à une femme qui a des enfants plus âgés que toi? Et qui parle mieux que toi. Ne me tiens pas rigueur, oh. Je suis désolée. Je n'avais pas l'intention de manquer du respect. Essaie de changer, s'il te plaît. Regarde-moi vraiment ça, hein? Ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais, moi?
Est-ce de ma faute que ta maman ne puisse pas donner naissance à un héritier? Ou c'est parce que je porte en moi l'héritier de ce trône? Elles sont toutes mes jalouses. Des jalouses, oh, des femmes jalouses. Je ne sais même pas ce qu'il arrive. Oh. Il faut juste attendre que je puisse donner naissance à ce garçon royal. Et que le grand prêtre le confirme comme celui qui a été choisi. Vous saurez qui sera la vraie reine de ces palais. Des jalouses, jalouses. Mets tout ça dans la voiture. D'accord. Votre Majesté. Pourquoi est-ce que tu as cette tête? Je me sens pas bien du tout. Je comprends pas ce qui m'arrive. Je pense que je vais voir un docteur. Mais il n'est pas encore temps. Non. J'ai encore quelques semaines qui restent. Tu as besoin de moi? Ne te dérange pas, je veux bien. Ok, et une fois que tu seras là, demande au docteur de m'appeler si les choses tournent mal. Ok, crois-moi. Ma chérie, prends soin de toi. Ok. As-tu vu cette photo de trou? C'est vraiment le nom qu'il faut l'appeler. C'est vraiment une semence de troubles. Ma chère, tu sais, cette fille est venue dans ces palais et elle a tourné tout le monde contre eux-mêmes. Tu as même de la chance parce que tu es la seule à rester. Bien fait pour elle. Si c'était moi, j'allais causer beaucoup de troubles dans ces palais. Bien. Peut-être que lorsqu'elle serait délivrée de son enfant, elle va changer. Je pars. Je crois. Et alors? Ah, allons-y. Mon roi. C'est quoi le problème? Zéchoué. Chioué m'a dit qu'elle ne se portait pas bien et elle s'est décidée d'aller à l'hôpital. Maintenant, docteur Ben m'a appelé. Qu'elle est dans le coma. C'est vrai? Oui. Je dois vite me dépêcher pour l'hôpital. Je dois y aller. Merci. Tu es vraiment une reine. Hein? Que Dieu te bénisse. Merci, mon roi. Aisez-moi, je suis ici pour m'enquérir de la situation. Et quelle est votre demande, mon roi? Je sais que vous êtes au courant de l'accouchement de la nouvelle reine et elle a mis au monde un garçon. Je suis venu juste savoir si vous pouvez trouver une façon de découvrir si ce bébé est le successeur. C'est maintenant que j'ai compris que tu n'avais pas compris ce que je t'avais dit il y a de cela 3 mois passés. Mais comment ça? Tout ce dont je me rappelle, c'est que tu avais dit que le dieu avait insister que le successeur ne pourra venir que de ma progéniture. Une qu'une fois mon fils a été rejeté par les dieux, regarde que je n'ai plus un autre fils. C'est alors que j'avais compris qu'est-ce qu'il fallait faire, c'était avoir une autre femme. Et c'est ce que j'ai fait. Et la voilà, elle a maintenant un nouveau bébé. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que vous puissiez confirmer si mon nouveau bébé sera l'héritier du trône. Tu as complètement mal interprété le message. Et c'est vraiment malheureux. Aisez-moi, qu'est-ce que vous dites? J'avais dit que l'héritier du trône viendra de ta lignée. Cela ne veut pas dire d'aller te chercher notre femme. Mais dites-moi, d'où est-ce qu'il viendra? L'héritier du trône était mis au monde plusieurs années avant la naissance de Ikene Mfuna. Je ne comprends pas cette affaire. De quoi parles-tu? C'est que je veux dire que le nouveau-né, ce n'est pas lui l'héritier du trône.
Cherche l'héritier. Il est là pendant plusieurs années. Honnêtement, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu sais, elle était surprise de me voir à l'hôpital lorsqu'elle était malade. Je ne sais pas si elle pensait que j'étais son ennemi ou quelque chose d'autre. Bien. Elle est dans sa chambre. Je ne sais pas vraiment. Je veux te rappeler. Je te rappelle. Allons-y, tu as l'air chaude. Je suis sûre que papa est maintenant heureux que la nouvelle reine lui a donné un garçon. Honnêtement, je ne sais pas si c'est quoi le problème. Peut-être qu'il est en train de penser qu'il doit rejeter cette femme. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi ne pas le dire? Le fils de la femme qui s'est mis elle-même en position de l'ennemi, aux gens qui ne lui ont rien fait de mal. Nous allons vraiment vivre cette méchanceté. Je pense que ton père est en train de regretter tous ses actes. Il se promène cherchant qui dévaster. Je pense que tu dois lui parler. Mon roi, tu n'as pas l'air heureuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je vais bien. C'est juste quelques petites confusions, mais je vais bien. La confusion? La confusion est différente de l'inquiétude. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon roi, je ne vois pas la confusion. Ce que je vois, c'est l'inquiétude. Et je me demande pourquoi est-ce que mon roi est inquiet, maintenant que son œil est là. Alors, s'il te plaît, ne me dérange pas jusqu'à ce point. Bien, je sais exactement, mon roi, ce que je dois te donner. Quelque chose de chaud et bien fait. Alors, s'il te plaît, je n'ai pas faim. Ne te dérange pas en me préparant de la nourriture. Je n'ai pas faim. Une fois que j'aurai besoin de quelque chose, je ne dirai qu'un seul mot pour que cela soit fait. Pourquoi est-ce que je vois comme si l'arrivée de ce petit garçon n'a pas apporté la guérison attendue? Mon roi, qu'est-ce qui ne va pas? Juste en regardant ton visage, ma maman, je comprends que tout ne va pas bien. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il a désiré être seul, comme d'habitude. Je t'avais dit qu'il ne va pas s'ouvrir. Je connais très bien ton père. Ce qui le dérange, c'est cette histoire de l'héritier du trône. Maman, il faut que tu comprennes, papa. Et il serait mieux d'être patiente avec lui. La joie de n'importe quel roi serait de voir son fils lui succéder. Et je pense que papa a juste peur que le Dieu nous mette hors de la lignée royale. Qu'est-ce que tu es en train de dire, jeune fille? Je suis désolée. Les dieux ne vont pas s'en échapper. Et concernant ce que tu avais dit par rapport à l'impatience, je suis patiente. Je ne suis pas seulement patiente, mais aussi compréhensive.
Si je ne l'étais pas, j'allais déjà faire tomber cette maison lorsque ton père avait épousé une autre femme. Oh, je remercie mon Dieu que tu ne l'as pas fait, sinon maman, on serait sans abri. Tu n'es pas vraiment sérieuse, Adézé, pas du tout. Je savais que tu allais toujours prendre sa part. Tel père, telle fille. Maman, je ne soutiens pas papa. Je ne regarde que la réalité. Un roi, si j'ai bonne connaissance, a le droit d'épouser autant de femmes qu'il veut. Et tous ceux-là qui vont s'opposer vont finir d'une très mauvaise manière, maman. Ça, c'est ce que j'essaie de dire. Tu sais quoi, Adézé? Je veux que tu partes dans cette cuisine et que tu donnes des instructions spécifiques sur ce que nous allons manger au dîner. Ok? J'aimerais manger quelque chose de bien. Merci. Si cela fera plaisir à Sa Majesté. Et je t'aime. Mouah. Mon amour. Mes salutations à mon roi. Salut. Comment tu vas? Ça fait pratiquement 2 jours que je ne t'ai pas vu. Comment va mon fils? Mon roi, c'est la cause qui m'amène ici. Honnêtement, nous n'allons pas bien. Je ne veux pas bien. Écoute bien, ma chère. Comme roi, j'ai beaucoup de responsabilités. Et toutes ces responsabilités me demandent du temps. Je dois les remplir chacune. Peu importe le temps que ça me prendra, je suis obligé. Mais ne t'en fais pas. Je te verrai déjà ce soir. Mon roi, je sens comme s'il y a un problème quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Si tu as un problème, s'il te plaît, parle-moi. Je suis ta femme. Et je veux comprendre. Regarde, confie-toi en moi. Hein? Tu m'évites ces derniers temps. Pourquoi tu peux dire une telle chose? Tu peux maintenant partir. Je veux rester seul. Ah. Maintenant. Ah, mon roi, ce peuple va se moquer de moi. Ils vont se moquer de moi. Oh non. Oui, cet homme qu'on appelle Odiboué. J'aurais appris que ce qu'il n'est pas capable de voir n'existe pas. Je veux le voir le plus tôt possible. Écoute, peu importe le montant. Peu importe le montant, ne t'en fais pas, je vais le lui donner. Je te fais confiance. Ma fille, c'est quoi le problème? Tu n'as même pas remarqué ma présence. Maman, je suis troublée. Les réactions du roi envers moi et mon fils ne me plaisent pas du tout. C'est quoi avec le roi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'évite ces derniers temps.
Ma chère, arrête d'avoir des pensées négatives dans ta tête. Il est le roi. Et il a plusieurs responsabilités. Il a beaucoup de choses à gérer. Maman, tu ne comprends pas. Peut-être que mon fils n'est pas aussi celui que les dieux ont choisi. C'est vrai? Ton fils n'a pas encore l'âge. C'est ça le vrai problème. Peut-être les dieux ont déjà dit ça. Si le prince Ikemefuna a été rejeté, cela est clair que n'importe quel enfant de la famille royale qu'on pourrait choisir serait rejeté. Maman, la réaction du roi que j'ai pu constater m'a laissé sans espoir. Il y a juste un mois que tu viens de mettre au monde. Es-tu prête à combattre pour lui, pour qu'il soit l'héritier du trône? Et si tu avais accouché un enfant femelle? Et les dieux ne sont pas mauvais. Ils m'ont donné un garçon. Je les ai priés et ils m'ont répondu. Alors laisse-le faire leur travail. Ne t'occupe pas de leurs affaires. Oh maman, pardon, ne dis pas ça s'il te plaît. Tu ne comprends pas du tout. Ma fille, si ton fils est destiné à être le roi, rien dans ce monde ne pourra le stopper. Alors arrête de dépêcher les dieux. C'est bon. Je te compris. Merci. Maintenant, je peux rester seule. Tu dois être contente d'avoir épousé un grand roi de nos jours. N'ose pas faire quelque chose qui va affecter ta future. N'ose pas le faire. Bon après-midi, messieurs. Bon après-midi, messieurs. Bon après-midi, les jeunes hommes. Je crois que je n'ai jamais vu avant ces faces. Je suis sûr que c'est ici la maison du Honou du royaume de Akalugu. Ce n'est pas seulement la maison, mais je suis Honou de ce royaume. Nous sommes venus en paix, ok. Et vous êtes reçus en paix. Je suis M. Chike. Et lui, c'est mon ami et collègue, Ikena. Ok, ça c'est bien. Alors, comment puis-je vous aider? Nous sommes venus pour un projet. Et nous avions été orientés pour venir vous voir. Quel genre de projet, s'il vous plaît? Messieurs, c'est une affaire qui concerne notamment la terre. Oui. Et nous devons nous asseoir pour parler un tout petit peu. La terre, c'est ça? Oui, messieurs. Ok, entrez. Ok, oui, vas-y. Entrez. Entrez, soyez à l'aise. Merci, messieurs. Vous dites que vous avez le projet de la terre. S'il vous plaît, prenez place. Prenez place. Vous avez une très belle maison. Je suis prêt pour vous écouter. Ok. Merci énormément pour nous avoir accordé la continuité de cette histoire. En effet, nous sommes venus pour parler d'un projet. Mm-hmm. Et ce projet particulier est un projet dont je suis très très sûr et dont je peux me taper la poitrine. Et ça sera positivement bénéfique pour ce royaume. Et même pour les générations à venir. Bien. Et nous sommes au total 7 ingénieurs. Et en fait, nous voulons construire une extension, une très grosse extension pour notre compagnie. Et la terre qu'on nous a montrée, nous avons des possibilités. Et celle qui est encore plus meilleure se retrouve dans cette communauté. Et c'est pourquoi nous avions été recommandés auprès de vous. Ingénieur civil. Oui, messieurs. J'aime ça. Particulièrement, j'aime être un ingénieur civil comme vous. Ça, c'est une aventure, c'est une anecdote pour vous faire rire. Ah, oui. Où se localise exactement cette terre? Oui, messieurs, c'est juste le terrain qui est à côté du marché. Oui, exactement. Je connais la terre. Ok, quelle est exactement l'affaire que vous voulez faire sur cette terre? Le patron du projet n'est pas ici avec nous. Et en tant que délégation, nous sommes parmi les 7 ingénieurs. Et notre compagnie a décroché un contrat pour un projet comme celui-ci. Nous avons inspecté le terrain et il est vraiment convenable pour ce genre de projet.
Et l'entreprise dont nous parlons ici est dans la production industrielle. Et je pense vraiment que ça ira de pair avec l'idée de pouvoir créer de l'emploi pour la jeunesse du moment où vous aurez accepté que cela se fasse ici dans notre communauté. Oui, c'est vrai, exactement. Je suis ravi. Je suis ravi. Merci, messieurs. C'est une bonne chose quand vous vous rappelez de notre royaume avec tel projet merveilleux. Laissez-moi vous dire que je ne suis pas le Onowu de ces royaumes d'Akanugo. Et la terre dont vous parlez est, c'est presque un hectare. Mais ici, dans les royaumes d'Akanugo, quand il y a nécessité de donner la terre pour le développement, les rois et les responsables. Excusez-moi, monsieur. Je veux vous demander une faveur. Je ne sais pas, mais je pense que vous avez quand même... vous pouvez jouer un très grand rôle dans la... dans cette communauté. Et je pense que vous êtes en meilleure position pour pouvoir aller expliquer au roi. Afin qu'il puisse au moins nous accorder une petite oreille. Je vais le faire. Ne vous inquiétez pas. Je vais le faire. Mais ce que je vais vous faire comprendre est que... je me suis impliqué parce que je vous ai entendu dire d'acheter la terre. Alors, comme c'est la terre pour le développement, vous cherchez la bonne terre que l'on peut vous donner pour le développement, vous devez vous rencontrer avec le roi. Et puis, il est le mieux placé pour comprendre les affaires, de plus que moi-même. Dépendant de du pouvoir de votre présentation, je vais dire la façon dont vous allez lui dire quand vous allez vous rencontrer. Il va beaucoup aimer investir dans les affaires parce que c'est le développement. Il aime ça. Oh, ok, oui. Ok, c'est très bien, c'est très bien. Merci beaucoup, monsieur, c'est vraiment... Merci beaucoup, monsieur, nous avons apprécié. Ne vous en faites pas, parce que je compte me déplacer quelque part dans 30 minutes. Je veux dire, si je n'avais pas un programme d'aller quelque part... J'allais être volontaire. Vous amenez de moi-même au palais. Oh, non, monsieur, ce n'est pas important. Évidemment, je connais toutes choses, je connais les rois. Il finira de venir et j'ai certaines choses à lui dire. Okay. Je vais lui dire à propos de vous. Ok. Et je vous assure que... Vous le faites déjà très bien. Merci, monsieur. Excusez-nous, monsieur. Nous sommes supposés de venir avec une très bonne boisson ou bien quelque chose qui... Pas de problème, je sais. À la prochaine. Ça, vous dites que la prochaine. Mais maintenant, là, asseyez-vous, je vais vous trouver quelque chose que vous pouvez prendre. Merci, merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Pourquoi j'ai l'impression que il y a une conspiration contre moi dans ces palais? Je n'ai aucune idée à ce sujet, ma reine. Et je peux te faire confiance? Ma reine, je sais que ce que vous voulez que je puisse faire, c'est d'être contre la royauté. Mais bon, vous pouvez quand même me faire... Boucle-moi cette saleté de bouche! Qui te demande d'être contre la royauté? Je ne fais pas partie de cette royauté. Hein? C'est possible que vous le soyez. Mais votre position ne nous a jamais été communiquée. Le roi et la reine, ce sont eux la tête du royaume. C'est à eux de donner des ordres qui sont irrévocables. Tu peux... Ah! Regarde-moi cette fille! Sors de ma voiture! J'ai dit des... Descends. Une fille stupide. Peux-tu imaginer? T'as pas de respect pour moi? Hey! D'accord, jeune gens, j'ai vraiment entendu ce que vous venez de dire. Je suis vraiment impressionné. Laissez-moi vos coordonnées. Je vais discuter avec les membres de mon cabinet et je vous reviendrai. Ah, d'accord. Merci beaucoup, votre majesté. Nous avons aimé. D'accord, c'est bien. Vous devez aussi comprendre que ce n'est pas ma propriété personnelle. Et c'est une propriété appartenant à la communauté. Comme vous avez déjà parlé avec Onowu, je pense qu'il serait mieux de discuter avec les autres membres du cabinet. Et je vous reviendrai, comme je vous ai dit. Mais je dois vous assurer que c'est un très bon projet, du moment où c'est un projet vrai dans le cadre du développement. Ça va aussi bénéficier à mon peuple. Exactement. Merci énormément, Sa Majesté. Merci pour l'audience. Nous avons vraiment apprécié. Je vous en prie.
J'ai reçu les gens que tu m'avais envoyés. C'est bien. J'ai leur aussi demandé de venir avec tous les documents nécessaires. Ce terrain est vraiment propice au développement. Et du moment où leur projet est relatif à celui-là, alors il n'y a pas de problème. Vous voyez pourquoi j'ai toujours insisté que le peuple doit se trouver un bon nom pour le faire, les rois. Je le savais. Je le savais que mon roi ne refuserait jamais ce genre de développement. Vraiment, vous êtes un bon homme, notre roi. Ne me flatte pas. Onowu, je veux voir aussi Akwigwe, le célèbre voyant. Oui. Du moment où je commençais à le chercher, il semble que personne ne sait où il habite. Oka Igwe, Anunkankaku. Onyeze, cet homme est devenu comme un papillon dans notre royaume. Il n'a pas une place fixe. Pourquoi vous le cherchez? J'ai appris beaucoup de choses lui concernant. Voilà pourquoi je veux le voir. Bien, je sais là où je peux le trouver. Très proche de la rivière entre Umoba et Umweke. Votre Majesté, cet homme ne peut pas abandonner sa terre. C'est impossible. Je suis prêt à payer pour le voir ici. Votre Majesté, Oka Igwe, Anonkankanku, il n'est pas cet homme que Monica peut aller prendre. Il est vraiment têtu. Il ne viendra pas. Toute chose à un prix. Joe, mon téléphone. As-tu déjà entendu parler d'Umoba? Oui, Majesté. Tu le connais bien? Oui, Majesté. Écoute, au cas où tu ne vas pas bien te retrouver, renseigne-toi. Après, tu me reviendras. Je le connais très bien, mon roi. Il habite dans les environs. Je le connais bien. Vraiment? Oui, Majesté. Alors, dans ce cas, prépare-toi. Nous irons dans 2 jours. D'accord, Majesté. D'accord. Très important. Je ne veux pas apprendre que tu as dit ça à quelqu'un. Ok? Je ne voudrais pas que quelqu'un sache ça. D'accord? C'est bon. D'accord, Majesté. Croyez en moi. Personne ne sera au courant de cela. Vous savez que je suis votre chauffeur particulier. Ouais. Juste de la manière dont tu as caché ta tête que je ne voudrais que rien ne puisse filtrer. D'accord, tu peux maintenant partir. Merci, Majesté. Ma fille, tu n'es pas du tout du bon humeur. Je vais dire, c'est quoi ton problème? Où est ton fils? Oncle, c'est ma mère et les palais. Rien ne va du tout. Tout ne va pas bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe? Le roi n'est pas heureux. Et en m'imaginant, ça a quelque chose à voir avec l'héritier du trône. C'est évident que c'est mon fils qui sera son héritier. Bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle le roi avait pris une seconde femme. C'est à cause de cet enfant. Personne ne me dit rien à ce sujet. Alors, je fais des efforts pour trouver la réponse toute seule. Tu cherches toi-même la réponse dont tu as besoin. Que cela veut dire? Et tu as fait quoi? J'avais visité Ezemo. Je sais que je ne suis pas censée d'être ici. Mais mon problème est vraiment délicat. Ça dérange tout le monde dans le palais. Et même le roi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Mon fils est-il l'enfant choisi? C'est lui l'héritier du trône que les dieux attendaient pour approuver. Ton fils sera grand. Grand de plus que son père le roi. Merci. Mais il n'a pas affaire avec le trône. L'héritier du trône sera choisi par les dieux. Et nous attendons leur décision. Et ils l'ont toujours fait à leur manière. C'est vrai? Les dieux sont sages. Et il faut suivre leur décision. Sinon, nous allons bouleverser les choses. Oncle! Il était vraiment sérieux. Je reviens juste de là, mais je n'étais pas vraiment dans mon assiette. Très surpris que le grand prêtre
ne pouvait même pas parler à la femme d'une manière claire au problème qui ne concerne pas la femme. Pourquoi ça doit être mon sort? Pourquoi? Je suis vraiment désolé de toi, Tchinado. Pourquoi tu étais allé en premier lieu à Ezemo pour faire cette demande? Ce n'est pas à toi de faire une telle demande. Oncle, je suis vraiment désemparée. Je voulais savoir. Tu es mon oncle, s'il te plaît, comprends-moi. Je te comprends. Mais juste, je t'ai dit que tu l'as fait vraiment tôt. Écoutez, les dieux sont sages. Ils n'ont jamais fait d'erreur et ils ne le feront jamais. Nous tous, nous pensons que... c'est ton fils qui serait l'héritier du trône. Mais nous avons vu comment ça tournait. Que ce n'est pas lui que les dieux veulent. Tu devrais le prendre ainsi et nous tituer et perdre le mariage. Ok. Oncle, je sais, mais... Écoute, tu n'as pas besoin, je t'ai déjà dit, il n'y a rien de mal avec ton mariage. Oui, le roi est démoralisé comme tu l'es aussi. Il cherche à se débarrasser de cela. Ok? Alors, laisse toutes choses comme telles. Ok? Suis juste dérangé. J'espérais que mon fils allait être l'héritier du trône. On avait tous l'espoir. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qui pourrait se passer. Les dieux ont un autre plan. Ce qui demeure caché. Écoute, Ezemo te l'a déjà dit. Que ton fils sera grand, même plus que son père. Tu peux te consoler toi-même avec cette assurance, mais pas te permettre de te démoraliser toi-même avec autre chose. Merci. Je sais bien que cela ne me concerne pas. Mais en tant que reine de ce royaume, je peux aussi dire un mot. Ce garçon, ton enfant qui est héritier du trône, il n'est pas bien allaité. Et je ne suis pas contente avec ça. Parce qu'il peut grandir et être un roi moins intelligent. D'où est-ce que cela sort? Ta nouvelle femme. Elle n'est jamais dans ce palais. Elle est tout le temps partie. Laissons l'enfant avec sa mère, qui force de nourrir cet enfant avec le lait de vache. Ce n'est pas acceptable, mon roi. Tu dois parler à propos. C'est vraiment sérieux. Alors crois-moi. Je vais surveiller cela. Chercher dans tout le palais. Où étais-tu? Maman, s'il te plaît, j'ai beaucoup dans ma tête maintenant, alors laisse-moi tranquille. Avant que tu ne te tues pour rien, s'il te plaît, rappelle-toi que tu as un fils qui a besoin de toi. Et il est la raison pour laquelle je suis en train de faire tout ça. Je veux que mon fils soit heureux dans sa vie. Tu ne comprends pas ça? Tu veux que ton fils soit heureux dans la vie? Oui. Réalises-tu que ton fils a besoin de toi à ses côtés pour l'allaiter? Il y a longtemps que tu ne le fais pas. Et ce n'est pas bien pour lui. Maman, mon fils a toujours eu son lait, alors donne-le lui. Je veux dire qu'il n'aura pas de problème si je suis tout le temps sortie à cause de lui. Je veux aider mon fils. Excuse-moi, maman. Elle était même bien lorsqu'elle n'était pas encore mariée. Mais dites-moi, où est le gain? Où est le gain pour avoir épousé le roi? Mmh.
J'ai beaucoup appris sur vous, Okati le Grand. Et je dois vous dire que je suis heureux de vous rencontrer. Le sage dit que quand un crapaud sautille pendant la journée, c'est soit pour chercher de quoi manger, soit il est poursuivi pour être transformé en repas. Mon cœur est profondément troublé. Eze Boubé, le grand roi du royaume d'Akalubo. Soyez le bienvenu chez moi. Peu importe la grandeur d'un problème, il y a toujours une solution. Ton cœur est troublé à cause de ton incapacité de trouver l'héritier au trône. Vraiment, Okati Boué, c'est pour ça que je suis ici. Et tu es même allé plus loin jusqu'à prendre une deuxième femme. Juste dans la finalité de te donner un héritier au trône. Mais l'héritier au trône est déjà né il y a beaucoup d'années passées. Ça c'est exactement ce que le prêtre m'avait dit. Mais je suis en train de me demander comment est-ce que cela doit se faire. Essayez, Boubé. Une jeune femme était venue auprès de vous trouver de l'aide il y a quelques années passées. Et tu avais profité d'elle. Et elle était tombée enceinte pendant ce processus. Et tu n'as plus repris soin d'elle. Tu l'avais même rejetée avec la grossesse. Peux-tu te rappeler? Ne serait-ce pas... cette servante, c'est quoi son nom? Ifoma. Je suis venue pour vous aider. Je ne m'attendais pas à de ça, mon roi. Ça ne doit pas te déranger. Faire l'amour avec le roi. Prends cet argent. Ça t'aidera avec tes problèmes. Sois une bonne femme. N'ose jamais le dire à quelqu'un. Je n'ai jamais fait ça avant. Alors tu es chanceuse de l'avoir commencé avec le roi. Tu dois être heureuse. Oh, je ne peux pas croire que vous avez pris l'avantage sur une fille qui était venue pour vous aider. Il ne faut pas rémunérer cela. Tu es une belle fille. J'avais aimé ce que tu m'avais donné. Je n'avais rien donné. Tu m'avais intimidé pour prendre ce que tu voulais. J'aime ça. Ça devrait être une jeune servante. Son nom est Ifoma. Non, honnêtement, Sa Majesté, vous aviez été méchant envers cette jeune fille. Tu vois, les gens en position d'autorité ne doivent pas chercher à voir le dessus sur les gens qui sont faibles comme ils le font. Grand maître, honnêtement, je suis vraiment surpris maintenant. J'ai vraiment honte de moi-même. Cette jeune demoiselle avait vraiment besoin de l'aide. Elle était venue vers moi. Je ne sais pas vraiment ce qui m'avait pris pour lui ôter sa virginité. Et elle vous avait suivi sans qu'elle puisse résister. Oui. Elle vous avait donné ce que vous voulez parce qu'elle manquait de la volonté de refuser au roi. Elle était même revenue après quelques semaines. Et elle avait même dit qu'elle était enceinte. Vous avez raison, grand maître. Tel que je vous ai dit, je sais pas ce qui m'avait pris. J'étais vraiment monté quand elle m'avait dit cette nouvelle et que je lui avais demandé de sauter de ma vue. Tu sais, je n'avais aucun sentiment pour elle. C'était juste quelque chose que je voulais faire, juste pour le plaisir de faire.
Honnêtement, je sais très bien que j'ai très mal agi. Mais je pensais que c'était à cause de son âge, que c'était ce genre de fille qui sort avec les hommes pour de l'argent seulement. Tu dois maintenant aller chercher cette jeune dame. Elle détient la solution à tes problèmes. L'héritier au trône que tu recherches aujourd'hui est celui que tu as rejeté il y a plusieurs années. S'il te plaît, j'ai vraiment besoin de ton aide, Okati le grand. S'il te plaît, je ne sais rien à propos de cette fille, j'en sais rien. Je ne sais même pas où elle habite. Qu'est-ce qui est arrivé à sa famille? Je ne sais absolument rien, aide-moi. Aide-moi. Oui. Vous avez bien vu comment ça m'a pris beaucoup de temps pour me rappeler de son nom. Je ne pouvais pas m'en rappeler. Va auprès de ton prêtre. L'aide de Dieu. C'est lui qui va t'orienter sur quel sacrifice tu dois offrir au Dieu. Et après les dieux, ils vont t'orienter à la solution à tous tes problèmes. Et c'est parce que les dieux sont sages que les hommes ne connaissent pas tout. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu cherches ici? Mon identité n'est pas du tout un problème. Le problème est que pourquoi es-tu toujours en possession de la propriété qui appartient au palais du royaume d'Akalugo? Je n'ai rien à faire avec ce royaume d'Akalugo. Comment puis-je avoir ce qui leur appartient? Tu ne peux pas avoir une affaire avec eux, mais tu es de là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment serais-je de là? Emmène la princesse chez son père. Et le temps de le faire, c'est maintenant. Encore ce même rêve. Ça fait des années que je fais le même rêve. Qu'est-ce que cela signifie? Comment puis-je retourner voir cet homme méchant? Ma fille est mieux de là où elle est. Je ne peux pas la ramener. J'ai un homme qui abuse de moi. Il va sûrement l'utiliser aussi. Encore toi? Tu commences à venir dans la vie réelle. Pourquoi me tourmentes-tu? Il y aura le temps où toutes les options seront tirées dans un livre. Je ne veux pas qu'on y arrive là. Maman? Pourquoi les problèmes? Pourquoi tu es essoufflée comme ça? Maman? Je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Où? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as dit que tu allais à la banque gréguer quelque chose dans ton compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, parle-moi. Tu es très étrange. Il faut que je me repose. Ma fille, il faut qu'on parle. Aisez-moi, j'ai déjà décaissé l'argent pour le sacrifice. Est-ce que ça va amener les dieux vers moi? Je peux te le confirmer autoritairement que les dieux ont besoin de toi. Tu dois seulement regarder le mouvement des dieux. Sois calme. Comment devrais-je me calmer, Aisez-moi? Ça fait un moment que je l'attends. Je suis en train d'attendre les coordonnées m'amenant vers la dame. Ou il faudrait encore plus de sacrifices? Je veux résoudre ce problème. Les dieux agissent autrement.
et les réactions ne sont pas comme pour nous les humains. C'est ça le cas dans ce développement. Et j'insiste, vous devez vous calmer. Je t'avais menti au sujet de ta paternité. Quoi? Maman? Je l'ai fait à cause de la situation que je traversais. Il faut que tu me pardonnes. Attends. Maman, je ne te comprends pas. Tu as dit que mon père est mort avant que je naisse et la famille nous avait rejetés. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ça, c'est un mensonge. Ton père est toujours en vie. C'est un Ezeboubé, le roi du royaume d'Akaloubé. Quoi? Maman! Je l'ai hais. Parce qu'il a abusé de moi en tant que roi. Quand j'avais perdu mes parents, mes oncles étaient devenus indifférents envers moi. J'étais partie chercher de l'aide chez lui. Le roi avait pris avantage sur moi en connaissant ma situation. J'étais déshonorée. Mais il m'avait aidée. Quand je lui avais informé que j'étais devenue enceinte à cause de ce qu'il m'avait fait, je me suis retournée chez lui et je savais que le roi n'allait pas m'épouser. Parce que je te pauvre. Mais pour moi, je m'attendais à ce qu'il puisse trouver une solution favorable pour moi. Le roi m'avait chassée et il m'avait traitée d'une lâche. Je savais ce qui allait m'arriver. Si je disais aux gens ce qui m'est arrivé, j'avais perdu tout espoir. Voilà pourquoi j'étais partie loin de notre royaume. Pour t'avoir. Ce n'était pas bien, maman. Tu devais dire à quelqu'un. J'étais une pauvre villageoise qui était victime du pouvoir du monde. Je n'avais où l'accuser. Personne ne pouvait me croire. On pouvait même me tuer pour que je me taise à jamais parce qu'il avait le pouvoir et l'argent. Maman, après ma naissance, tu devais lui dire la vérité. Après ta naissance, je me suis dit qu'il n'avait pas besoin de le savoir. Parce que... il ne méritait pas de savoir. Maintenant, dis-moi, pourquoi tu me le dis maintenant? Tu ne trouves pas que c'est tard? Tu ne trouves pas? Non, c'est pas le cas. Ça fait un bon bout de temps que je fais de rêves étranges. Je sais que ça fait 20 ans maintenant. Je crois que ton père le sait très bien. Pour l'erreur commise dans le passé. J'ai mal. Non, parce que tu m'as pas laissé voir mon père pendant plus de 20 bonnes années. Mais j'ai mal parce que tu ne m'as jamais dit la vérité. Tu t'es contenté de garder ça pour toi-même. Non, maman, tu y es mon meilleur ami. Tu devais me dire la vérité. Je suis vraiment désolée, ma fille. Honnêtement, je le suis. Avec ta permission, il faut que je te ramène au palais. Bonjour, votre majesté. Bonjour, comment ça va? Je vais bien, mon roi. Votre majesté, il y a une femme qui veut vous voir. C'est une dame, une jeune dame.
Est-ce que j'avais rendez-vous avec elle? Non, votre majesté. Elle a juste dit qu'elle a un sujet important à discuter avec vous. Et vous en serez vraiment ravis. Vraiment? Ok, laissez-la entrer. Ok, majesté. Bonjour, votre majesté. Bonjour. C'est bien toi, Ifoma. Oui, votre majesté. C'est bien moi, Ifoma. Que les dieux soient loués. Oka, Tchiboué. Ça, majesté. Je suis vraiment heureux que vous ayez répondu à mon invitation. Voici la femme dont nous avons toujours parlé. Elle est venue ici ce matin, accompagnée de cette jeune dame. Et elle me l'a présentée comme ma fille. Et quand je l'ai vue, je suis revenu à la vie. Je me suis finalement dit que les dieux ont exaucé ma prière. Sa majesté, une femme ne peut-elle pas être roi dans ta terre? Ça, c'est exactement la raison pour laquelle je t'ai appelé. Parce que présentement, je suis vraiment confus. Les mêmes dieux qui l'ont fait déplacer et l'ont emmené ici peuvent le faire rappeler les circonstances, le rappelant de la naissance de cette jeune fille. C'est là que se trouve la solution à ton problème. Quand le roi m'a rejeté, je suis partie au village de Nebori. Quand une infirmière appelée Margaret a pris soin de moi, jusqu'à ce que je mette au monde. L'histoire n'est pas exactement ce que tu penses. Pourquoi es-tu en train de l'attrister? Pourquoi est-ce que tu te mets dans ce genre de stress? Je t'ai dit que je suis une infirmière. Je vais prendre soin de toi. Je l'ai déjà dit, je veux le faire. Je pense de la façon dont cet enfant va vivre. Je voulais dire, je n'ai rien. Et je ne peux pas rentrer au village d'Akanubo. Ah. Je te comprends parfaitement bien. Surtout le fait où le responsable de cette chose est un roi. Écoute, on doit faire beaucoup attention. Exactement, exactement. Il pensait que je l'avais planifié pour lui soutirer de l'argent. Or, c'est lui qui avait eu l'avantage sur moi. Ma chère, le conseil que je peux te donner est que lorsque tu vas accoucher, tu iras vers lui pour lui dire, lui expliquer que toutefois tu peux même accepter de faire le test d'ADN pour les mettre au clair. Non, je peux pas. Il est vraiment méchant. Écoute, j'ai juste besoin d'avoir mon bébé et trouver quoi faire pour que je prenne soin de mon enfant et de moi-même. Voilà. Ce n'est pas facile comme tu le penses. Trouver du travail dans cette ville n'est pas une chose facile. Surtout pour une mère qui a un nouveau-né. Ah, c'est très difficile. Ce n'est pas du tout un problème. Je ne veux pas que tu puisses te stresser. Dans cette condition, tu n'as pas à beaucoup réfléchir. Tu risques de te faire du mal. S'il te plaît, sois vraiment calme. Tu dois être calme. Merci beaucoup. Vraiment, je te remercie. Je ne sais pas ce que j'allais devenir sans toi. Je te suis vraiment redevable. Merci. C'est merci. Bon. C'est bon. C'est rien du tout. Nous avons tous besoin de l'aide dans cette vie. C'est ça.
Mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? Je me sens pas qu'il ne va pas. Ok, ok, je comprends alors. Il est temps maintenant. Je comprends. Maîtrise-toi. Tu dois te maîtriser, ok? Tu dois être forte pour toi et les bébés, ok? C'est ce que je veux faire. Écoute-moi. Tout d'abord, calme. Ok, doucement. Ok, respire. Par la bouche, vas-y. Ok. Tu t'étais réveillé. Tu avais à peine trouvé une jeune fille à côté de toi. Exactement. Quand je m'étais réveillé, je ne l'avais pas revue. J'avais fait un effort de prendre soin du bébé moi-même. J'avais eu à faire recours au voisin qui m'avait aidé. Quelques jours après, le corps de Margaret a été retrouvé dans la forêt. Quelques voisins m'avaient aidé jusqu'à ce que j'étais capable de trouver un travail pour prendre soin de moi et de mon bébé. Va pas avec cet idiot. Hein? Écoute-moi. Si tu ne veux pas que je te dise quelque chose que tu vas regretter. Alors quitte devant moi. Je suis désolée, ma reine. C'est un ordre venant du roi. Vous ne pouvez pas aller voir maintenant parce qu'il est occupé avec des invités. Venez après. Hey! Écoutez-moi parler, cet idiot. Ya, donc tu m'interdis de... Quitte là, tu es en train de divaguer. Quitte là. Je suis désolée. Faites ceci pour moi, s'il vous plaît. Hein? Tu veux me dire que tu es intelligent? Je ne veux pas te blâmer. Ah, je ne te blâme pas. Ce n'est pas un problème. Je veux m'assurer que tu quittes ce palais. Et où, imbécile, démon? Attends, tu verras. La femme que tu pensais être une aide pour toi n'était qu'une démon de destruction. Et c'est pourquoi elle est morte de façon mystérieuse. Elle avait fui avec le prince. Et t'avais laissé juste avec la princesse. Je ne peux pas m'imaginer que Margaret était si méchante. J'ai vraiment besoin de tuer ces monstres. Pour une deuxième fois. Avec tout le respect, papa. Tu lui as donné l'accès de détruire la destinée de mon frère. Dis-moi, où sommes-nous supposés aller le chercher? Où? Ascendaise, je comprends ton intervention, mais je te demanderai de voir Dieu dans toutes ces choses. Les dieux ont une raison qui les pousse à faire tout ce qu'ils ont fait. Okatibwe. Sa Majesté. Qu'est-ce qu'on fera maintenant? Rien. Rien, Sa Majesté. Essaie juste d'être un peu plus patient. Les dieux n'ont pas encore fini. Ils ont créé une occasion pour la révélation d'aujourd'hui. Ils créeront encore une occasion pour que le prince puisse revenir. Sois un peu plus patient. Je suis vraiment désolé, ma chère. Désolé. J'ai vraiment honte de te regarder maintenant. Après tout ce par quoi tu es passé.
Si ce n'était pas à cause de moi, mon fils ne se serait jamais perdu. Je ne sais quoi vous dire. Votre Majesté, le problème ici, c'est mon fils. Le garçon dont j'ignorais l'existence. Ne t'en fais pas, ma chère. C'est bien. Le prêtre nous a déjà dit que... par les dieux, le prince finira par revenir. C'est trop pour moi. Je sais. Viens, viens. C'est bien. Sûr. Je ne peux pas expliquer ce qui est arrivé, ma reine. Mais pratiquement tout le monde au palais a commencé à avoir peur d'elle. Et indépendamment, ils ont décidé de l'éviter. Oui, Chika. C'est la raison pour laquelle j'ai été appelée. J'aimerais que tu saches qu'elle est la reine, la femme du roi, qui est capable de produire un prince. Alors vous tous, vous lui devez le respect, ok? Rien, ma reine. Mais c'est elle qui ne respecte pas les gens. Comme je venais à peine de le dire, elle est une reine, la femme du roi, et tu ne l'es pas. J'aimerais que tu les mettes toujours en tête. Oh! Oh! Mon amoureuse et belle reine! Tu parais très bien aujourd'hui. Salut à toi, ma reine. Salut à toi aussi. Sais-tu ce qui s'est passé ici hier dans le palais? Qu'est-ce qui s'est passé? Une femme et une jeune fille, y compris un sage, sont venus rendre visite à notre mari le roi. Ah, je leur avais vu. Ah! Je voulais entrer en l'intérieur, mais on a refusé que j'entre. C'est toujours normal que lorsque le roi a de la visite, tu ne peux pas entrer. Peut-être que tu dois la prendre du roi. Ah non, je ne pense pas. Ma reine, de toutes les façons, je vais te laisser te réjouir de cette belle journée. Au moment où je serai dans ma chambre. Si par hasard tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Enokwa. Enokwa Chime. Hé. Ça veut dire qu'elle a changé? Ça, c'est intéressant. Chime, respectueuse. Hein? Biko, ça m'étonne ça. Je dois parler aux cuisinières de faire attention avec ma nourriture. J'aimerais te parler. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Adézé. Tu dois parler à ton père. Je veux dire, depuis que cet héritier du trône est venu au monde, nous n'avons plus la paix ou la joie dans ce palais. Maman, tu connais bien papa, n'est-ce pas? Tu les connais parfaitement. Il y a une femme qui était venue ici hier avec une jeune fille. Elles sont restées ici jusqu'aux heures tardives. Elles ont quitté ici très très tard. Je ne te dirai pas ce qui s'était passé. Le garde avait refusé que j'entre. D'après tout, je suis la femme de ton père. Maman, c'est juste ça. Tu connais bien ton mari. Il fait la même chose avec pratiquement tout le monde.
Ça, c'est très différent. Comment différent? J'ai l'impression comme si ton père veut épouser une troisième fille à cause de la déception. Maman, je suis occupée pour ça. Honnêtement, mais ce que je veux faire, c'est ça. Je vais essayer un peu de lui parler, savoir ce qui ne va pas, mais je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Exactement. S'il te plaît, fais-lui comprendre ça. Je le ferai et nous allons nous asseoir en famille et en parler. Merci. Ok, maman. Je t'aime, tu sais. Je t'aime plus. Je peux partir maintenant? Bien sûr. Ok. Restez là, c'est ce qui te plaît. Je t'attendais pour savoir si on peut avoir une conversation franche. Une conversation avec moi? Je ne comprends pas, qu'est-ce que tu me veux? N'es-tu pas supposé être près de ton papa? Oh, maman. Il a supplié pour qu'on le pardonne, alors je le pardonne. Mais je lui ai aussi pardonné. Que veux-tu que je fasse encore? Il a besoin de toi au palais. Il veut que tu fasses partie de la famille royale. Pourquoi résistes-tu? Maman, je ne résiste à rien, mais je dois quand même prendre mon temps. On parle ici du palais. Il faut vivre comme une princesse. Et cette fille qui gère tout le business de son père, je veux dire, tu penses qu'elle sera contente de voir une sœur qui sort je ne sais où? Tu crois? Ascendi Zé, cette princesse n'est pas ton problème. C'est pour le roi que nous nous inquiétons. Maman, je n'ai jamais vécu dans la royauté toute ma vie. Mais j'ai quand même beaucoup lu sur la royauté. Je sais ce que c'est être une princesse. Tout sur la royauté est connecté à une autre chose. Je veux dire, Ezebo est mon père. Ça, je le sais et j'en suis consciente. Mais je peux pas juste me lever comme ça et aller au palais. Je dois prendre mon temps. J'en ai besoin. Je te supplie, ne me parle plus de ça, s'il te plaît. Ascendi Zé. Elle est têtue comme son père. Comment je vais faire ça? Ascendi Zé. Je sais ce que tu veux dire. Je sais. Je te rappelle plus tard. Ma mère est là. Bye bye. Maman, je crois que jusqu'à maintenant, tu devais vivre dans le palais avec ton père. Ah, maman, ne recommence pas. J'avais déjà fini avec ça. Tu fais semblant comme si tu es déjà fatiguée de moi. Ça, c'est ce que je peux pas. Je ne fais que ce qui est juste. Maman, le mieux que tu puisses faire, c'est de pouvoir chercher où se trouve mon frère. Tu penses pas que tu dois inclure la police? Comment je peux inclure la police quand je n'ai aucune information sur lui? Mais maman, tu peux pas aussi rester là sans pour autant rien faire. Je veux dire, tu le connaissais pas avant. Mais maintenant que tu sais qu'il existe, tu dois juste aller à sa recherche. Il faut le chercher. Je pense que je dois laisser au dieu leur travail. C'est ça. Le dieu? Chérie, c'est qui dans notre maison? S'il te plaît, qui es-tu? Et comment es-tu entré ici? Pourquoi avez-vous refusé tous les deux d'écouter mes instructions? La propriété que vous gardez appartient au palais du royaume d'Akugo. Mais de quoi parlez-vous? Quelle propriété?
L'enfant que vous avez abandonné il y a de cela 28 ans passé appartient au palais du royaume d'Akalugo. Et il est temps pour lui d'occuper sa position. Parce que c'est lui le choisi des dieux. Emmenez-le dans son royaume. Vous avez fait un bon job, mais ne le ruinez pas avec votre têtutesse. Je peux tolérer plusieurs choses, mais la têtutesse, je ne peux pas. Je ne me rappelle pas d'avoir acheté une chose pareille. Ça, c'est parce que ici n'est pas ta place. Les gens achèteront pour toi. Et ils ont acheté ça. Et ils cherchent une tête sur laquelle la poser. Et la tête n'est pas encore prête. Qui es-tu? Mais comment... de quoi parles-tu, hein? C'est toi qui as mis cette chose ici? Je tolère beaucoup de choses, surtout provenant de ceux qui ne me connaissent pas. La têtutesse n'est pas parmi ces choses. Tu es le choisi. De quoi parles-tu? Mais je suis sûr que cette femme n'est pas humaine. Pour ça, si seulement nous devons vraiment l'écouter, cela nous vaut la vérité à Iken. Comment est-ce qu'il est venu dans nos vies? C'est ce que tu veux? Non, non. N'est-il pas clair que tout ceci devient complexe jour après jour? Oui, Iken est venu dans nos vies et il est devenu une bénédiction. Dieu, et grâce à lui, nous a même donné deux belles filles, oui. Mais tu sais, nous l'avons volé et nous l'avons rendu notre fils adoptif. Ne penses-tu pas que c'est déjà assez? Je sais. Mais nous avons besoin d'un fils. Et ce fils-là, c'est Ikena dont nous avons besoin. Tu es en train de dire que tu vas accepter qu'il ne parte seulement comme ça après que nous l'ayons éduqué, nous l'avons instruit, de sorte qu'il devienne prospère et un jeune homme autonome? C'est ce que tu dis? Chérie, oh Dieu. Je ne veux pas que nous puissions nous chamailler. Mais partons de ce qui vient d'arriver. Et qui est cette femme? À quoi servait cette couronne? Et qui est ce peuple qui est en train d'attendre les successeurs au trône pour porter la couronne? Rappelle-toi que je l'ai ramassé. Il a été abandonné par sa mère qui était morte. Comment pourrais-tu accepter qu'une femme mystérieuse vienne te dire que celui que nous vivons avec lui est un prince? Est-ce qu'un prince peut être abandonné? Chérie, tu ne peux pas comprendre les événements qui se sont passés chez un enfant abandonné. Et il a juste appelé cette femme une femme mystérieuse qui s'est convenue avec toi. Ne peux-tu pas dire à ce jeune homme la vérité et permets-lui de prendre sa décision et voir ce que nous pouvons faire après? Ok. C'est bien. Ça va. Si on partait de ce que tu dis, par où devons-nous commencer? De quelle manière allons-nous le dire? Comment pouvons-nous dire à Ikena
nous l'avons ramassé et il était dans un état critique? Dis-moi comment. Il est un homme et je suis sûr qu'il pourra le gérer. Attends d'abord, attends. Oui, je suivais ces programmes depuis. Papa, maman, quelque chose de très effrayant m'est arrivé dans la chambre. Oh, un quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? J'étais à peine rentré, j'étais dans la chambre et j'ai vu une dame. Elle paraît comme une déesse. Elle m'a dit que je suis la personne qu'elle a choisie. Et elle m'a montré une couronne et m'a dit qu'il y a des gens qui me l'ont achetée. Et ils sont en train de m'attendre pour que je puisse leur donner ma tête. Et aussi elle a disparu. Et la couronne a aussi disparu. C'est vrai? Maman, je suis en train de te dire ce qui s'est passé. Elle a parlé en français. C'était vraiment clair, mais comment est-ce que je suis confus? Il n'y a pas de rapport entre moi et le peuple. Le peuple qu'elle a évoqué. Va essayer de lui préparer son plat favori. Vas-y, ok? Fils, j'ai demandé à ta mère de te préparer ton plat favori. Elle ne va pas traîner. Papa, j'ai remarqué que la manière dont tu étais en train de regarder maman quand je vous relatais mon histoire. Y a-t-il quelque chose que vous devez me dire? Je connais ce regard. Y a-t-il quelque chose que je dois savoir? Maman, papa, pourquoi est-ce que vous m'avez caché une telle vérité pendant le temps? Pourquoi? Je suis vraiment désolé, fils. Nous t'aimons énormément. Nous t'aimons beaucoup et nous n'avions pas voulu te les dire pour ne pas te faire du mal. Fils, tu n'as pas à nous blâmer. Nous t'avions juste secouru à ces temps et nous t'avions amené comme notre fils. On ne pouvait pas te dire tout ça parce que nous ne savions pas à quoi ça allait nous mener. On ne savait pas où te déposer. Vous ne pouvez pas! Vous ne pouvez pas cacher une telle vérité à quelqu'un! Vous ne pouvez pas! Comment pendant beaucoup de temps vous m'avez caché une telle chose? Sachant que la famille dans laquelle j'ai évolué n'est pas ma famille biologique! Comment? Nous sommes désolés! Je dois m'asseoir. Est-ce que cela signifie que je n'ai pas de père ni de mère? Non, fils. Tu y es ici, ton papa et ta maman. On n'a pas dit que nous n'étions pas tes parents. Nous avions juste voulu que tu saches la vérité. La vérité, maman, la vérité! Si c'était vraiment la vérité, vous me l'aurez dite depuis longtemps! Pourquoi vous me le dites maintenant? Pourquoi est-ce que vous me le dites maintenant? Maintenant, pourquoi? Dites-moi pourquoi vous me le dites maintenant, pourquoi? La femme. De quelle femme est-ce que tu es en train de parler? Maman, parle, non, parle s'il te plaît, je suis en train de perdre ma tête. Parle-moi s'il te plaît. La même femme est venue chez nous à plusieurs reprises. Et spécialement aujourd'hui, elle nous a demandé de te ramener au palais du royaume d'Akalubo. C'est fort possible que la couronne qu'elle t'avait montrée soit la couronne de ces royaumes. Ça c'est vraiment un rêve, je n'arrive pas à y croire certainement. Pourquoi est-ce que cela ne peut que m'arriver moi? Pourquoi? Quelle est cette relation que j'ai avec le peuple d'Akalubo?
Ou la couronne. C'est pour cela que je leur avais demandé leur terrain. Attends, fils. Je ne comprends pas ça. Tu es en train de dire que tu étais parti au palais d'Akalugo pour demander des terres? Pourquoi faire? Pour la société, maman. La société avait besoin d'une extension. Nous avions rencontré le roi pour qu'il nous apporte un coup de pouce. Attends, si je peux comprendre, la terre t'a été donnée? Oui. Présentement, les choses sont sous contrôle. Et qui est-ce qui est mon père? Ça peut être le roi. Attends, fils. Lorsque nous arriverons là-bas, nous allons tout découvrir. C'est vraiment dur, difficile à digérer. C'est vraiment difficile à digérer, Dieu. Ça paraît trop drôle. Ceci paraît tellement drôle que ça a l'air de tourner à une pièce théâtrale. Ça ne sera pas une pièce de théâtre, parce que cette femme mystérieuse ne va plus nous déranger. Car nous avons fait ce qu'elle nous a demandé. Sa Majesté. Votre Majesté. Comment as-tu trouvé ces garçons? Ils m'ont déjà relaté l'histoire. Tout ce que j'ai besoin que tu fasses, c'est que tu puisses confirmer si cet homme est celui que nous cherchons. Nous pouvons nous asseoir. Asseyons-nous. Mais toi, Sa Majesté, c'est celui-ci. Mais comment? 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 Comment devrais-je être abandonné par une dame probablement incapable de prendre soin de moi? Et ils m'ont trouvé, ils ont fait de moi leur fils. Comment est-ce que tout ceci m'est arrivé? Comment est-ce que tout ceci m'est arrivé? Je vais nous raconter cette histoire depuis le début. Bon après-midi, boss. Vous me cherchiez. Ça, c'est notre projection astrale. Et je veux que tu partes très loin d'ici. N'entre pas. Et ne permets à personne d'entrer jusqu'à ce que tu entendes le son de ma cloche. Considérez que c'est fait, messieurs. Je m'humilie devant le grand Oma, la plus belle et la plus puissante de tous. Tu avais besoin de ma présence. Mais voici. Tu es cette prêtresse puissante qui possède
le plus puissant pouvoir. Tu es cette autorité qu'on ne peut pas prédire, qui contrôle la force de Samy, incluant le maître de l'argent. Ce n'est pas à chaque fois que tu instruis les hommes comme moi de venir participer à cette projection astrale. À quoi dois-je tout ça, prêtresse? Il y a une chose pour faire l'argent et une autre chose pour maintenir l'argent. Je suis un homme d'argent. Les grands-pères politiques de l'Est, dans mes tentacules, dispensent la gloire autour des autres. J'ai fait des hommes et je vais continuer à faire des hommes jusqu'à ce que je meure. Ça, c'est juste en une condition. Les hommes comme moi qui avons cette tête sommes toujours comparables à quoi que ce soit. C'est quoi la condition, grande prêtresse? Le cadeau du sang mâle royal. Que veux-tu dire? Entre aujourd'hui et 7 jours suivants, tu es recommandé en urgence de sacrifier le sang d'un garçon royal. Et cela rapidement, pour que tu restes un homme de pouvoir, un très grand politicien, tu es obligé de le faire. Ne cherche pas mon échec. Si seulement tu le fais, tu échoueras aussi en tout et pour tout. Ils vont te faire du mal. Ils te feront du mal sans pitié. Le décompte est activé maintenant. Vous avez un invité, maître. Qui? Votre ami, chef Benson. Je l'ai fait attendre il y a longtemps, jusqu'à attendre le son de la clochette. Dis-lui que je vais lui rejoindre dans peu de temps. Ok, boss. Ce n'est pas vrai. Du sang royal dans 7 jours. Comment vais-je arriver à les faire? Chief Benson, sois le bienvenu et merci d'être venu au bon moment. Chief Duben, votre humeur n'est pas du tout bonne. Quel est le problème? J'étais en réunion aujourd'hui avec la grande Oma. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a fait une dure demande. Et je ne sais pas comment parvenir à la réaliser. Qu'est-ce qu'elle a dit ou tu as mal compris les choses? Je n'ai pas entendu. Elle a demandé qu'un sacrifice puisse être offert au Seigneur et au Maître. Est-ce un problème? Fais tel qu'elle te l'a instruit. Ou il y a quelque chose qui ne va pas avec cette demande? Elle n'a pas demandé n'importe qui, mais plutôt du sang royal. Est-ce la raison pour laquelle tu paniques? Chief Duben, nous vivons dans un monde où tout est possible. Cette requête te donnera plus de vie et plus d'argent. Je te suggère de faire exactement ce qu'elle t'a demandé. Chief, tu sais que tu es plus vieux que moi dans ces jeux. Et c'est pourquoi cette demande ne te dit absolument rien. Mais ça me tue à petit feu. D'où est-ce que je peux trouver du sang royal pour ça? Chief Duben, tout ce dont tu as besoin est dehors là-bas. Répands juste tes tentacules et tu auras tout ce que tu cherches. Tu parles avec beaucoup de confiance. Comment est-ce que tu n'as jamais expérimenté tout ça? Et que tu donnes facilement tout ce qu'elle demande. Comment ça? Chief Duben, tu sais, parfois,
lorsque tu te mets, tu réalises que tout ce que tu penses être très difficile partout ailleurs, mais elles sont plutôt très très faciles à obtenir. Tu y es en effet très jolie. Merci. J'espère que tu sais pourquoi tu es ici. Chief, je n'allais pas être ici si je ne connaissais pas la raison. Je suis prête. Et quand je le dis, c'est vraiment très très prête. Tu seras bonne en prenant soin de moi. Et j'espère que tu ne sortiras plus jamais. Chief, je suis ce genre de fille qui peuvent tout faire pour l'argent. Et pour cette somme d'argent, je serai très prête à tout faire. Ouais, ça c'est 2 millions. Ah, c'est pour toi. Chief, Chief, merci beaucoup, Chief. Mais Chief, vous m'avez déjà donné une partie de mon argent. Suis un chef et tu travailles pour un chef. Nous dépensons de l'argent, voilà pourquoi on est des chefs. Tout celui qui ne dépense pas de l'argent n'est pas qualifié à être appelé chef. De même pour les hommes ou des femmes. J'ai compris ce que ça veut dire, monsieur. Je suis en train de te donner de l'argent parce que je crois que tu peux faire de même. Et j'espère que tu vas bientôt tomber enceinte. C'est noté, Chief. Une chose de plus. Je suis un esprit et personne ne va à l'encontre de mes ordres. Chief, ce n'est pas nécessaire tout ça. Nous sommes des partenaires et ces derniers gardent toujours des bonnes relations. Je vous donne ma parole, je ferai de mon mieux. Très bien, c'est promis. Très bien. Bonne chance. Chief, merci. Merci d'être une bénédiction pour ma vie. Ouais! Elle s'appelle Pretty. Je lui avais donné exactement ce qu'elle avait demandé. Je lui avais donné encore plus. Je connais tout cela, chef. La question est celle de savoir qu'est-ce que tu veux. Elle avait vraiment aimé l'enfant après lui avoir donné naissance. Et après, elle ne veut plus me les rendre. Tu veux que je l'arrête? Je peux te l'amener maintenant. Ou tu veux qu'elle se taise à jamais? Réunis tes hommes et partez chez elle. Puis, ramenez-moi cet enfant. Si elle refuse, rendez-la silencieuse pour de bon. Elle avait été payée, elle doit donner cet enfant. Quand elle prenait de l'argent, elle était toute contente, sans savoir les conséquences. Considérez que c'est fait, chef. Bien. Es-tu sérieux? Et jusqu'à ce point? Va dans les livres de Genèse et tu vas découvrir que Dieu n'a jamais créé de l'argent. Mais c'est l'homme qui a créé de l'argent. Juste pour maintenir la suprématie. Pour manipuler d'autres constamment. Si tu dois rester riche, alors tu dois accepter d'être initié dans la source intarissable qui produit de l'argent. Voici les hommes, sans conscience. L'argent lui-même n'a pas de vie, mais il reste la source de vie. Mon but est de devenir un puissant homme politique. Et je ne suis pas intéressé par toutes ces choses dont tu parles. La belle dame vient de te faire une demande du sang royal qui fera que tu puisses rester tel que tu le veux. Alors tu n'as qu'à les faire et tu n'auras aucune raison de pouvoir te lamenter. Tu parles comme si c'est si facile. Rien dans cette vie n'a déjà été facile. Tu sais que la grande dame m'a déjà demandé d'apporter les sangs d'un prêtre. Et tu sais très bien que les prêtres n'ont jamais de femmes. Mais elle m'a déjà demandé d'apporter les sangs d'un prêtre. Mais tu ne me l'as jamais dit. C'est justement parce que je n'aime pas me plaindre
j'ai toujours pour moi une raison de me relaxer et chercher à résoudre les problèmes. Comment étais-tu capable à les faire? Une chose que tu dois savoir est que beaucoup de prêtres qui paraissent célibataires à leur congrégation ont tous des stéréofamilles. Ils ont des femmes et leurs enfants connaissent bien leur père. Mais ils ont trouvé une façon de les garder secrets. J'avais envoyé un missionnaire en mission. Et en effet, j'avais trouvé un fils d'un prêtre. Si la grande dame t'aurait demandé le sang royal, ça signifie qu'elle sait que le sang royal est là. Trouve-les juste et donne-les lui. Faute de quoi, tu vas absolument tout perdre. Voyons qui nous visite. L'éternelle belle dame, Madame Green. Bon après-midi à toi. Bon après-midi, mon cher. Comment tu vas? Tel que tu peux le voir, je vais bien. Mais le boss n'est pas à la maison. C'est vrai? Oui. Où est-il allé? Il est parti pour Calabar pour une conférence internationale. Mais en fait, il t'a laissé cet argent. Mais il ne me l'a pas dit. Alors, je ne peux pas le croire. Je suis vraiment désolé, mais je suis sûr qu'il te tiendra au courant une fois de retour. Mais s'il te plaît, ne le tiens pas à rigueur. Ok. Tu peux quand même me laisser entrer, s'il te plaît. Je pense qu'il ne sera pas bon pour moi de l'attendre. Je suis vraiment désolé, Miss Gray, si c'est ce que vous ressentez. Il est mieux que vous cherchiez un hôtel dans les environs où vous pouvez passer la nuit. Il ne sera pas possible pour moi de te laisser entrer. Pourquoi? Il est vraiment prudent pour vous de respecter ce que je vous ai dit. Je peux vous trouver un hôtel dans les environs. Ne vous inquiétez pas sur le paiement ou le frais, c'est sur moi. S'il te plaît, arrête un peu avec tes conneries. Ouvre-moi la porte. Je suis désolé, vous ne pouvez pas. Je viens de vous dire que le boss n'est pas à la maison. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Mon cher, mon ami. Oui, monsieur. Je suis un homme qui a déjà bâti son empire. Et je ne tolère pas les amateurs. Les gens qui viennent pour faire tomber les autres. Et ces grands problèmes tournent autour de ma propre existence. Et comme un homme de pouvoir, je ne tolère aucune laxité. Alors vous pouvez me croire, chef. Je ne vais pas vous décevoir. Et ce ne serait pas la première. Et laissez-moi vous assurer que si quelque chose allait très mal, je ne vais pas vous dévoiler. C'est bon alors. Et quand est-ce qu'au plus tard, je peux déjà voir un enfant issu du sang royal? J'ai déjà parlé avec toutes ces femmes. Espérons cette semaine. Je suis désolé de vous déranger, boss. Miss Green est d'ailleurs en train de se mettre des ordres. Que veux-tu dire en s'aimant du désordre? Je lui ai certainement fait savoir que vous n'êtes pas ici dans la ville. Je lui ai dit que vous êtes allé à Calabar pour une conférence internationale. Mais elle continue à insister d'entrer pour passer la nuit. Ne t'inquiète pas. Je vais moi-même le gérer. D'accord, boss. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Bon après-midi, monsieur. Mais quel bêtise suis-je en train d'entendre? Dieu merci, toi-même tu l'as dit. Ton gardien refuse de m'ouvrir la porte. Il m'a laissé dehors. Il me dit que tu partais à Calabar ce matin. Mais je sais que c'est pas la vérité. Parce que tu peux pas voyager sans pour autant me dire. Vraiment? Veux-tu que je te tue ou quoi? Mon roi, mon chéri, pourquoi tu me parles ainsi? Je suis venue passer la nuit avec toi parce que je ne peux pas rentrer à la maison aujourd'hui. La première vérité, c'est que je suis en ville. Et la seconde, c'est que je ne veux voir aucune personne aujourd'hui.
Et la dernière, c'est que si tu ne quittes pas devant cette porte à cet instant, tu ne vivras pas pour raconter l'histoire. Pourquoi ils me traitent de cette façon? La plupart des filles qui ont disparu sans trace, c'est juste parce qu'ils ont refusé de partir quand ils le devraient. Ne soyez pas folle, Miss Green. Et toi aussi? Comment tout le monde peut me parler comme ça? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête? Ah! Oh mon Dieu! Si tu as besoin de plus d'argent, dis-le-moi à temps afin que je puisse te le fournir. J'ai besoin de cet enfant et je le veux urgentement. J'ai suffisamment d'argent me permettant de réaliser ce projet. Vous ne serez pas déçus. Appelle-moi aussitôt que tu as l'enfant. Je le ferai sans problème. Mon ami, comment vas-tu? Comment ça se passe? Oh! Tu as déjà ces sangs royaux? C'est très bien. Et où es-tu maintenant? Donc tu viens dans ma maison? Bien, je pense que tu es en train de venir avec cette femme. Oui! Nous voulons vraiment qu'elle puisse être là afin qu'elle puisse s'assurer que le bébé sera en vie jusque demain. Non, je ne veux pas de fête pour ça. La même personne qui a facilité le processus, c'est lui qui doit être notre meilleur choix maintenant. Oui, je suis prêt à payer un peu plus d'argent. Il suffit juste que tu fasses tout ce que tu peux faire. Il va me les livrer dans 3 jours. Les dieux sont en effet bons et en vie. L'homme qui veut demeurer puissant ne doit jamais oublier sa source. Le grand temple d'Oma est ma source. Et comme demandé, j'ai trouvé le sang royal. Et je l'ai placé sur la pierre de la richesse. C'est comme un désert. Et le désert, c'est comme une terre que les hommes ne peuvent exploiter. L'infertilité du désert t'emmènera à découvrir ce qu'elle produit. La révolte comme le fils du désert. C'est ce que je réclame de vous, les vierges, de la pierre de la richesse. J'ai vu le sang royal que tu as placé sur la pierre de la richesse. Comme on ne peut pas quantifier le soleil dans le désert, ainsi sera quantifiée ta richesse dans le monde. Merci énormément, la belle Oma. Il est temps de poignarder. Qui es-tu et que fais-tu dans mon sanctuaire? Me tenir devant toi est une grande chose que de se tenir devant tout autre sanctuaire occulte. La déesse messagère du royaume d'Akalugo. Et c'est quoi mon problème avec toi? Tu ne peux pas tuer cet enfant que tu as sorti dans ton miroir occulte. Parce qu'il a une place chez moi. Si seulement tu désobéis, je ne veux pas seulement faire tomber ce temple. Je te tuerai et tuerai ton âme pour toujours. Où est-ce que tu as trouvé cet enfant?
j'avais engagé un jeune homme qui s'appelle Boyou de le prendre pour moi. Il ne s'agit pas de cet enfant. Retourne cet enfant, sinon tu verras mon autre visage. Écoute-moi. Je m'en fiche. D'où est-ce que tu as pris ces méchants enfants? Tout ce que je veux, c'est un remplacement. Je suis vraiment surpris, boss. Mais je ne peux pas le remettre. Parce que je vais tuer celui qui l'avait acheté. Ça, c'est la vérité, boss. Parce qu'une quelconque erreur de les laisser en vie allait tout gâcher dans l'avenir. Plus de 97% des femmes ne savent pas garder le secret. Tuer cette femme a encore empiré la situation pour moi. La déesse avait insisté que nous puissions le retourner. Et qu'il avait sur lui une bénédiction. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Boss, je peux toujours faire quelque chose. Je vais m'en sortir. C'est mieux. Je suis en train de m'inquiéter pour toi. Quel type d'histoire? Je sais que tu m'as toujours dit que tu m'as épousé parce que tu m'aimais. Telle est la vérité. Tu y es tout pour moi. T'avoir finalement comme ma femme est la meilleure expérience que je voulais perpétrer. As-tu écouté les docteurs, Anya? Que cet avortement a causé des problèmes en moi. Les docteurs ont dit que je ne suis plus capable de concevoir. Je t'avais dit que ça ne me dérangera plus jamais. Je peux comprendre la situation et je te tiendrai compagnie. Ce n'est pas grave. Nous finirons par concevoir quand nous le voudrons. Je veux dire que la volonté de Dieu n'est pas encore manifestée. Ça va. Je ne te permettrai plus jamais de te plaindre sous mon toit. Tu es vraiment le meilleur de tout. Et toi aussi, tu es la meilleure. Viens, viens dans mes bras. Viens. Merci. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est quelque chose de très dangereux qui peut te diriger vers la mort. Je suis vraiment confus. Je ne sais même pas d'où est-ce que Boyo a pris ces méchants enfants. La déesse messagère du royaume d'Akalugo. Je n'ai jamais été à l'aise avec les dieux et les déesses. Ils sont vraiment supérieurs aux occultistes et aux maîtres. Et leur acharnement foudroie toute puissance. La manière dont la grande Oma m'avait demandé de le retourner a plus d'importance que ce que tu dis. Honnêtement, j'avais vu de la crainte dans ses yeux. Tu dois obtenir un remplacement le plus tôt possible. Je n'ai jamais aimé cette expérience. Jamais. Boyo est déjà sur ça. Et c'est le seul qui puisse le faire. Donc, la déesse est parvenu à entrer dans ce que nous faisons ici? Comment je veux sortir de ce problème? Je ne peux pas croire que c'est moi qui suis en train de faire ça.
ramasser un enfant abandonné puis l'amener à la maison. Ceci est vraiment coupable et je peux envoyer ma femme en prison. Ah. Mon amour, mais qu'est-ce qu'il y a? Es-tu dérangé pour ça? Extrêmement sceptique. Ceci n'est que parce que je veux comprendre cette situation. Laquelle, si je peux demander? Chérie, les familles dans ce pays se sont finalement retrouvées dans des situations très difficiles parce qu'ils ont ramassé un bébé tel que nous l'avons fait. Peut-être parce que les gens tuent les enfants. On ne planifie pas de les tuer. Nous allons le garder ici. Et ne me demande pas pourquoi. Les complications de l'avortement, c'est toi qui me l'as causé. Je suis maintenant victime de tout ça. Ça, c'est une façon pour nous d'avoir notre propre enfant. Je comprends. Mais ce n'est pas aussi facile que tu ne le penses. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Que nous devons ramener cet enfant là où nous l'avons ramassé? Ça, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que nous pouvons amener cet enfant dans une agence pour qu'on prenne soin de lui. Peux-tu t'entendre, Anya, que nous devons retourner l'enfant et rester sans enfant? Et après, une autre personne viendra adopter cet enfant. Pourquoi ne pas prendre soin de lui, s'il te plaît? Je sais que nous n'avons pas d'enfant, mais je crois que nous aurons les nôtres. Anya, considérons ça juste comme une bénédiction. D'autres personnes cherchent cette opportunité, mais nous l'avons eue. S'il te plaît, chérie, je t'en supplie. Laisse-moi aller le voir. Chérie, comment vas-tu élever cet enfant? Un bébé a besoin de lait maternel pour grandir. Et tu sais que tu n'en as pas. Je sais ce que je veux faire. J'avais déjà acheté le lait pour lui. Et tu le sais très bien. Et j'appellerai les médecins pour venir le voir. T'inquiète, mon amour. Il sera bien. T'inquiète. Cette femme est vraiment sérieuse à propos de ça? Le petit vient de dormir. Alors, qu'est-ce que tu dis? Es-tu sûr que celle-ci est une bonne décision? Sommes-nous toujours là? À mon avis, on aurait ramené ce cas entre les mains de l'agence de sécurité ou envoyé cet enfant à l'orphelinat. Je comprends ta crainte, mon mari, mais tu dois te surpasser. Nous étions à la recherche d'un enfant il y a de cela 10 ans passés. Ne laisse pas cet enfant passer pour un orphelinat. S'il te plaît, élevons-le. Prenons soin de lui. Mon mari, s'il te plaît, considérons cet enfant comme notre bénédiction. Et que diront les gens? Très simple. Très simple. Nous dirons à tout celui qui voudra savoir que nous l'avons adopté. Personne ne va compliquer. Les couples adoptent toujours les enfants et ça fait quoi? J'espère que tu sais dans quoi tu te plonges, parce que je ne veux pas de problème. Qu'est-ce qu'il arrivera si cet enfant est possédé par des mauvais esprits? Ou alors que quelque chose arrivait à cet enfant? Oh, s'il te plaît, arrête-moi cette histoire. Je suis prête à devenir mère pour cet enfant. Et je suis sûre que tu joueras bien le rôle du père. Laisse-moi aller le voir. J'ai toujours voulu ce qui te rendra heureuse. Alors, si vraiment ça te rendra heureuse, je suis d'accord avec toi. Maintenant, ça c'est Monsieur Anya, l'homme attentionné que j'ai épousé. Merci. Je suis content que tu sois finalement heureuse. Je le suis. Bien. Merci. Ils avaient tué l'infirmière pour la faire taire et pour éviter une certaine liaison. Mais la déesse avait intervenu. Boyo avait abandonné ce garçon là où vous l'avez trouvé. Que les dieux soient loués. Ici. Pfff.
J'en ai de trop. C'est beaucoup trop pour moi. Cette femme qui m'a donné naissance. Où est-elle maintenant? Nous avons déjà résolu cela. Nous remercions les dieux pour leur amour. 28 années passées que j'avais chassé une servante grosse de moi. Cette servante a vécu l'enfer avec cette grossesse. Quand elle a finalement mis au monde, la soi-disant infirmière qui était venue l'aider, cette infirmière avait volé ce bébé. Et ce bébé, c'est bien toi. Ça, c'est vraiment compliqué. Votre Majesté, vous voulez me dire que mon fils qui est ici est jumeau? Oui. Il a sa jumelle, qui par la grâce des dieux d'Akalugo, nous est finalement revenu. Viens, mon fils. Ezemo, vraiment, je suis inquiet. Je suis au nord du royaume d'Akalugo. Et je le confirme. Je suis celui de qui les gens peuvent demander des questions et savoir ce qui se passe dans notre royaume. Je sais que tu connais ce qui se passe dans notre royaume. Non. Ezemo, je suis au courant de rien. Je ne sais rien du tout. Voilà pourquoi je suis inquiet. À l'heure que nous parlions, il n'y a pas l'héritier du trône. Oui, je suis d'accord que nous avons le roi. J'aimerais que nous puissions comprendre que cet homme peut aller dormir un jour et il ne saura plus jamais se réveiller. Il peut dormir pendant le sommeil et on l'a vu autant de fois, dans plusieurs endroits. Maintenant, ce qui s'est passé. Cela devient le camp de ce royaume et lorsqu'il n'y a personne, cherchez les successeurs. Du roi. Pas d'héritier, du trône. Et que le roi meurt. Tu ne vois pas que cela peut être un désastre dans le royaume d'Akalugo? Et c'est ce que j'essaie d'éviter. L'héritier du trône est déjà là. Les dieux et les ancêtres du royaume d'Akalugo l'ont confirmé. Il reste de laisser les sceptres dans 40 jours comptés d'aujourd'hui. Et? Oui. Et Zemo, tu es sérieux? Et c'est qui l'héritier? C'est le fils du roi. Et il est connu. Il a été choisi depuis très longtemps. Va dire au roi ce que j'ai dit. Ezemo, c'est vrai ça. Ça va se faire. Ça m'étonne. Je suis vraiment désolé sur tout ce qui s'est passé parmi nous. Mais il est bon de savoir qu'il y a maintenant de la paix parmi nous. Papa, je suis heureuse que tu redeviennes comme avant. Merci. Je voudrais demander pardon à mes reines spécialement. Parfois, nous nous rendons compte que les situations sont plus fortes que nous. Ceci arrive très souvent lorsque nous n'avons pas des épaules pour tenir le coup. Mais je suis là pour vous dire que je suis désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. Ça va, mon roi. Je suis contente que tout soit au passé maintenant. J'étais en train de penser si on pourrait organiser un dîner familial. Sur ce, nous devons inviter le prince Ikena et ses frères, ainsi que leur maman. Et nous allons nous réjouir et vivre ensemble comme une grande famille. Là, tu as bien parlé. Et vous savez quoi? Je veux faire une liste. Ok, oui. C'est bien. Alors, puisque je suis d'accord avec vous, je pense que je vais vous laisser un peu de temps sous la supervision de ma femme pour que vous fassiez ce que vous êtes supposé faire. Et aussi, je pense que nous devons sûrement répandre la nouvelle dans toute la ville.
et surtout inviter tous les frères et cousins. Considère que c'est fait. Maman, papa. Oui, fils. Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait dans ma vie. Je suis vraiment reconnaissant. Et maman, la très nécessaire, je voudrais te dire que cette nouvelle qui m'est venue pour que je puisse devenir le successeur au trône, rassure-toi, ça ne changera absolument rien sur moi. Benita et Belinda resteront pour toujours mes sœurs. Ok, et vous deux, tels que vous êtes là, spécialement vous, ma maman, et mon papa. Et je suis toujours le plus beau garçon, humble et intelligent comme je l'ai toujours été. Cela ne changera jamais, non. Croyez-moi, vraiment. Merci beaucoup, papa. Fils, tu ne dois pas nous remercier pour quelque chose. Nous sommes fiers de toi. Toujours fiers de toi. Vraiment, vraiment. Merci, papa. Voici mon fils. Je suis tellement fière de ta maturité. Et je suis fière de t'avoir comme fils. Maintenant que tu rejoins ta famille biologique, je reste pour toi. Et je suis sûre que tu vas nous représenter avec fierté là-bas. Oh, bien sûr, maman, je le ferai. Cette famille restera ma famille, ma première famille. Tu as tout à fait raison. Merci, papa. Je suis vraiment reconnaissant. Oh, merci non, merci, beaucoup. Mon fils. Assieds-toi, mets-toi, mets-toi, oh, mets-toi. Mais prends place, mon cher fils, parce que tu vas me manquer. Je suis contente de te revoir encore. Merci, ma reine. Je sais que mes actes ont vraiment affecté la reine que tu es. Vraiment. Mais je ne pouvais pas m'éviter. J'étais en train de passer une situation difficile de ma vie. Mon amour, j'étais prête à tout parcourir avec toi. Mais j'avais décidé de tout garder toi-même. C'est déjà terminé. Je suis désolé, ma chère. Vraiment désolé. Je suis contente que tu récupères ta vie maintenant. Mon roi. Je suggère que tu épouses cette femme comme troisième. Pourquoi est-ce que tu suggères cela? Parce qu'elle a beaucoup enduré pour toi. Le fait qu'elle était restée célibataire est quelque chose d'anormal chez un humain. S'il te plaît, pense à ma suggestion. Bien, je pense vraiment que tu as une grande expérience d'être reine. Et de voir m'accorder une telle opportunité de corriger mes erreurs du passé. Mais par rapport à ça, ça va dépendre d'elle. Qu'en est-il si elle disait non? Mon roi, la réponse dépendra de ton appréciation. Si tout ceci nous donnera une opportunité de guérir toutes ces plaies. J'ai toujours su que tu as un bon cœur. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Oh, je sais. Ok, calme-toi, maîtrise-toi, je vais t'expliquer maintenant. Écoute, beaucoup de choses se sont passées dans la famille. Mais l'important est, nous allons bien. Non, mais c'est toi qui es en train de dire ça. Tu nous manques tous. Mais moi, tu me manques un peu plus. Oui, la famille va s'agrandir. Et papa va voir une autre femme.
Non, pas vraiment, pas vraiment. Ikem, calme-toi, non. Quand tu vas revenir, je crois que tu comprendras. Et tu vas aussi les soutenir. Hello? Il a les droits de épouser autant de femmes qu'il veut. Oh, ne te dérange pas. Quand tu vas revenir, tu vas comprendre. Ok, ok, ça c'est bien. Tu me manques. Et je t'aime aussi, oui. Je suis heureux que nous ayons nos filles. Je n'ai aucun mot à employer qui puisse exprimer ma douleur. Comprends-moi. Je suis désolé. Ifoma, je sais que je t'ai offensé. Je t'ai demandé de trouver une place dans ton cœur pour me pardonner. Je t'en supplie. C'est bon, Votre Majesté. Je vous ai pardonné il y a longtemps. Je n'ai rien contre vous. Oh, merci. Merci beaucoup. Honnêtement, tu es un cadeau précieux. Il est vraiment rare de trouver une femme comme toi. Merci beaucoup. J'aurais souhaité réaliser cela beaucoup plus tôt. Merci quand même. Ne vous en faites pas, mon roi. C'est déjà passé. Je n'aime pas me rappeler de choses que j'ai déjà oubliées. Tu as maintenant deux enfants avec toi et je suis très heureuse pour toi. Ifoma, je sais que tu es beaucoup heureuse pour moi. Je le sais très bien, hein? Je ne sais pas quoi te dire, Adèse. Je suis heureuse. Je sais que tu es heureuse, mais tu serais plus heureuse en tant que reine. Ta reine? Comme l'une de tes épouses? Mais oui, la troisième et dernière. Pardon, ne parle pas de ça, je t'en prie. Pourquoi? Mets ça en dehors de nous. Que ça reste comme ça. Non, nous n'allons pas changer de sujet, Ifoma. Tu sais que j'ai déjà parlé de ces sujets avec la reine Isioma. Elle était totalement d'accord. Elle a d'ailleurs dit que ta venue va compléter vraiment notre famille. Elles ont dit ça? Mais oui. Écoute, je ne suis pas en train de te forcer à ce que tu puisses me répondre maintenant, hein? Je t'accorde le temps de réfléchir à propos, hein? Maintenant, je pense que tu demanderas à ma fille de venir m'accompagner. Tu avais dit non avant. Je l'ai accepté. Mais à présent, j'insiste que tu dois manger quelque chose chez moi. Vraiment? Oui. Qui suis-je pour dire non à la reine quand elle insiste que je puisse manger ici? En fait, les sangs royaux savent ce que ça signifie. Je suis d'accord avec toi. Sers-moi à manger, je vais manger. Je connais quelque chose sur le père de mes enfants. Je ne veux pas perdre cette occasion. Attends-moi. Les dieux de mes ancêtres, faites ceci pour moi. Et je vous serai infiniment reconnaissant. Oui, c'est vraiment clair que... Vous êtes la seconde femme du roi, parce que vous êtes venue comme une reine. Mais je veux vous appeler la seconde épouse. Et me comporter comme la troisième femme. Oh, Chinwe, s'il te plaît, ne me fais pas pleurer. Tu es la seconde femme du roi, et nous nous en rappellerons toujours. Je veux que tu saches que tu es la mère du futur roi. Un futur roi qui est très attentionné et social. Honnêtement, la place que je te donne, tu le mérites même si tu ne le demandais pas. Chinwe, je me sens mieux comme ça, ok? Bien, 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 bien. Je le vois différent. Pour moi, nous sommes toutes mariées à cette famille. La seule famille que nous avons maintenant. Oui. Qui veut la première, qui veut la dernière, cela n'est pas du tout mon problème. La chose la plus importante est que notre mari est heureux. Voilà. Je ratais un événement ici. C'est quoi la nouvelle? Waouh, ce n'est pas vraiment ça. C'est juste que
nous, le reine, sommes en train de régler certaines choses. Comme vous, le princesse, avez aussi l'habitude de faire. Et le prince également se sont entendus. Je suis heureuse de voir comment les choses se déroulent dans notre famille. C'est merveilleux. Je sais pas. Quelqu'un parmi vous a-t-il remarqué cette ressemblance entre les deux princesses? C'est vrai, ça serait ça? Difficile qu'une personne puisse mettre en doute que vous deux là, vous êtes d'une même famille. Oh oui, je confirme cette ressemblance. C'est juste qu'une est un clair et une autre est un noir. Exactement. Je veux dire, moi je peux pas voir cette ressemblance. Mm-hmm. Mais si tout le monde la voit, alors qu'est-ce que je peux faire? Et maintenant, nous vous laissons faire vos histoires de reine, le reine. Oh. Ok. Ah oui. Ok. Tu es si belle. Oh. Ah, je suis très contente. Je suis vraiment heureuse. Sois la bienvenue. Merci beaucoup. Je suis très heureuse pour ma fille. Enfin, elle se réjouit entre sœurs et frères. Et ensemble, ils vont partager leur expérience. Tu y as l'air heureuse. Merci beaucoup. Maintenant, dis-moi. Rien de sérieux. J'essaye de construire quelque chose de moi-même. Ça, c'est pas un problème. Tu commences les travaux demain matin. Pourquoi blaguer avec moi maintenant? Je suis la DG, ma chérie. Et tu n'auras pas un bon boulot que ça. Oh, merci beaucoup. Oh, ma chérie, il ne faut pas que tu me remercies. Tu seras à une position exécutive et tu en as besoin d'une secrétaire. Et prends ça de cette manière. En cherchant un travail, tu deviens directement employeur. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ah, j'allais dire, prends ça sous cet angle. Du moins, nous vous aimons, vous deux. Le royaume d'Arkalouko, vous avez vous deux. Content de vous voir. Alors, je veux que vous sachiez que l'homme qui est debout à côté de vous est un homme super. Il a de bons plans, non seulement pour les palais, mais aussi pour tout le royaume en général. Ah, vraiment beau. Parle-nous de ça. Je sais. Mets-nous au parfum. Vraiment, j'étais en train de dire à mon frère ici. J'aime ça. J'avais beaucoup d'idées pour étendre la société et faire en sorte que nous gagnions beaucoup d'argent plus que maintenant. Là. Ça serait en compétition. Bien, je sais qu'un jour, nous allons tous lui adresser comme mon roi. Oh, c'est vrai. Mon frère. Mon frère deviendra roi. Notre frère. Lave tes mains pour la purification. C'est ce qu'on attendait depuis très longtemps. Lave tes mains pour bien avancer. Voilà, c'est ça. C'est bien. Vous voyez, c'est voilà la confirmation. C'est voilà ça la même. Confirmation. Tiens ce sceptre pour confirmer que les dieux et les ancêtres du royaume t'ont accepté. Allez-y, fais-les. Voilà la confirmation. Tu es vraiment choisi. C'est bien ça. Notre roi. Hey. Alors maintenant, nous allons passer à la prochaine étape. Ça, c'est la couronne pour les grands princes d'Akalugo. C'est à toi. Et je te couronne comme le futur roi de ces royaumes. Tiens. Ça, c'est un vrai choix des dieux. En tant que Ezemo, Ezesi est du royaume d'Akalugo.
juste devant le sceptre d'Akalugu. Je te couronne le prince du royaume d'Akalugu. Vraiment. Tu régneras après ton père. Voilà le prochain roi. Notre roi. Oh, tu es vraiment mon Quelle roi. Joie, enfin. Nous avons enfin notre roi. Notre roi. Notre roi est là. Oui. Ah. Notre roi. Notre roi. Notre roi. Nous notre avons notre un nouveau roi de ce royaume. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.